Yeah. Look, I gave Fat the location to my heart, and she got that in a jiffy. That's a peanut butter car. She a star. Matter of fact, more like a galaxy. So naturally, I enter in her space, latch on her waist like calories. Ooh. Only sacrifice greater than her was Calvary. Jesus Christ, my Lord, would be proud of me. Undoubtedly, I'm proud to be the only one that can make her reconsider. Even though I used to be. Bonjour, ici Glam. Comment tu vas, ma belle? Momo Touré, bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent dimanche. Nous revoilà ce soir pour une thématique qui est portée sur la femme. Qu'est-ce qu'on a à dire sur la femme? Je vais laisser Yannick nous présenter le sujet. Mais avant tout ça, nous avons une invitée spéciale aujourd'hui qui va se présenter. Bonjour les gars. Bonjour Assa, bonjour Yannick, bonjour tout le monde. Alors je me présente, je suis Logan, j'ai 32 ans et je suis maman de 3 enfants, une fille de 9 ans et des jumeaux de 5 ans. Et ça fait 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc principalement, je vends des secrets de femmes, donc des aphrodisiaques qui viennent d'Afrique, Mali, Sénégal, voilà, un petit peu partout, principalement pour les femmes mariées. Et à côté de ça, ça fait 2 ans que je suis dans un marketing de réseau qui s'appelle ELR. Voilà, donc actuellement j'ai la position de leader de team et il y a plus de 1600 produits, donc des gammes, prise de poids, pour perdre du poids, etc. Voilà, et à côté de ça, je suis coach pour les femmes. Merci pour ta présentation très complète, Logan. Yannick, je te laisse faire ta présentation, s'il te plaît. Ouais, bonsoir à tous, Yannick Yao. J'espère que vous nous entendez, donc n'hésitez pas à lever un pouce si vous nous entendez bien. Donc, je travaille avec Assa, je suis le créateur du seul site qui permet à des étudiants sportifs de pouvoir intégrer l'université américaine en sport-études, qui s'appelle awastv.com, et je suis aussi un consultant, un entrepreneur qui permet à d'autres entrepreneurs de pouvoir développer leur chiffre d'affaires, de gagner plus d'argent via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et tout ça, et mon site s'appelle impulsionpro.co. Donc voilà. Merci pour ta présentation, Yannick. Je te laisse nous présenter le sujet du jour. Tout le monde te connaît, toi? Mais moi, les gens me connaissent. On t'a dit de te présenter. Genre aujourd'hui, tu vas me pousser à me présenter, c'est ça? Totalement. Alors, Assa, votre psychologue coach conseillère en image, ça fait un peu moins d'un an, depuis le début de l'année, que je propose des séances de psychologie, de conseil en image et de relooking. Tout ça pour le but d'être bien mentalement et en image aussi. Le but est vraiment d'allier les deux et de se sentir au mieux pour pouvoir affronter ce long chemin qu'on appelle la vie. Donc voilà pour ma présentation, j'ai 33 ans, j'ai 2 petites magnifiques filles, tout à l'heure en plus ça m'a ressourcée de fou malade. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi en parallèle de ça, voilà quoi. T'as un site internet? J'ai un site internet qui s'appelle désiredeviens.com. J'ai une page YouTube qui s'appelle désiredeviens, vous pouvez retrouver tous nos directs de tous les dimanches sur cette plateforme. Et en plus de ça, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur Snapchat. En fait, je suis partout. C'est juste incroyable, je suis partout. Mm-hmm. Et je propose des séances à mon cabinet ou sinon, je propose aussi des séances téléphoniques pour permettre pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou ceux qui sont dans des villes un peu plus lointaines, de pouvoir aussi partager ce qu'ils ont envie de partager avec moi. Voilà quoi. Le plus avec moi, j'ai envie d'aller encore plus loin dans la présentation, c'est que je suis une psychologue atypique. Avec moi, c'est pas rencontre d'une psychologue et puis basta, c'est vraiment un accompagnement et un suivi de manière permanente et dans un seul but, votre progrès. Votre progrès fait le mien. Donc voilà. En parlant de progrès, sachez que Assa permet à des gens comme moi, comme Logan, de pouvoir présenter notre activité via désir et devient. Donc si vous avez une activité d'entrepreneuriat et que vous aimez bien parler de sujets de société quand on en parle, chaque dimanche, n'hésitez pas à contacter Assa. Voilà, pour replacer un dimanche.
pour que vous participiez à Désir et Devine, pour qu'on puisse parler de votre activité et en même temps parler de, des sujets qui, qui nous touchent tous, hommes et femmes. Tout à fait. Et à savoir une petite précision encore, ce qu'on fait tous les dimanches ne sont pas des séances de psychologie, c'est vraiment on dépose les bagages, on se détend, on aborde une thématique, donc un sujet qui touche aujourd'hui tout le monde, comme Yannick le dit si bien. Donc il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse, tout le monde peut participer, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment soft. Là on est en mode détente quoi, la preuve en est, aujourd'hui je suis en jogging. Voilà, et ça se passe bien. Allons-y pour le sujet du jour, là. Je pense qu'on a bien perduré dans la présentation là, à cause des uniques. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Le sujet du jour, et c'est moi qui lis encore les questions aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc le sujet du jour, c'est la femme et son ego. Un regard plus profond sur la manière dont l'ego surdimensionné de la femme peut la conduire à devenir ou rester célibataire. Ça va aller, Logan ? Logan, si tu n'as pas compris une question, j'ai envie de la relire, hein, parce que même moi, des fois, j'ai du mal à comprendre ces questions. Et elle veut bien que tu la répètes. Mesdames. Et si quelqu'un ne comprend pas Yannick, excuse-moi de t'interrompre, encore une fois, n'hésitez pas à demander à ce qu'il recommence sur qu'il répète. Ou appelez directement au 09 70 40 55 20. Vous pouvez tous participer si vous n'avez pas compris un truc, si vous voulez rebondir sur un avis, si vous voulez donner votre avis ou nous faire part de votre expérience. 09 70 40 55 20. Alors je disais, le sujet du jour, c'est la femme et son ego. Alors on va regarder plus en profondeur la manière dont l'ego surdimensionné de la femme la conduire à devenir ou à rester célibataire. D'accord. Ok. Rapide définition de l'ego. D'après Wikipédia, l'ego désigne généralement la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Il est tantôt considéré comme le fondement de la personnalité, notamment dans la psychologie, ou comme une entrave à notre développement personnel, notamment dans la spiritualité. Ok. Je vais vous lire une série de questions et après on y répondra une par une. Donc l'ego, ça veut dire aussi que selon la manière dont il est utilisé, le mot ego peut être tantôt neutre, c'est-à-dire il n'y a pas de jugement, parfois négatif. D'accord ? Donc mes questions, vrai ou faux ? Les hommes qui sont humbles et les femmes qui ont confiance en elles forment les couples les plus solides. Alors quel est votre avis dessus ? Tu lis toutes les questions, mais c'est vrai. Est-ce qu'une femme avec un ego surdimensionné intimide les hommes en général? Est-ce que l'ego de la femme a pour but de tester l'homme pour que chaque partenaire puisse trouver sa place dans le couple? Les femmes sont très connues pour titiller l'ego des hommes, mais le font-elles de la même manière que les hommes? Comment la femme utilise son ego pour blesser celui de l'homme? Vrai ou faux? Une femme avec un ego démesuré n'exprimera pas facilement ses sentiments pour l'homme avec lequel elle souhaite avoir une relation. Quels sont les effets positifs et négatifs d'une femme avec un gros ego? Vrai ou faux? Avant de remettre toute la faute sur l'homme, la femme devrait contrôler son ego. Vrai ou faux? Les hommes sont très sensibles à la parole donnée. C'est-à-dire que quand tu t'engages verbalement à faire une action, tu t'y tiens. On tient beaucoup à ça, les hommes. Mais est-ce que cela ne devrait pas être un attribut féminin, car la femme est considérée comme étant la plus communicative? Est-ce que réellement vous attachez de l'importance à la parole donnée? Comment la relation peut-elle s'effondrer lorsque la femme exprime une certaine déception? Et si l'homme est coupable de cette situation, comment la femme peut-elle communiquer sa frustration sans déclencher une guerre des sexes? Vrai ou faux? Bien que ce soit quelque chose de commun chez les femmes, une femme avec un big ego préférera voir son homme partir plutôt que de lui demander de rester. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que la femme a réellement un ego? Comment la femme peut-elle encourager son homme à atteindre tout son potentiel sans le rabaisser? Vrai ou faux? Aucune femme ne pourra admettre qu'elle peut être jalouse. Encore moins celles qui ont un ego surdimensionné.
Supposons que la femme adhère aux idées de son partenaire, mais qu'elle ne sent pas en retour que ce dernier lui accorde la même attention. Comment peut-elle exprimer sa frustration sans être narquoise ou blessante? Vrai ou faux, la femme a réellement besoin de l'homme, car sa féminité est entièrement définie par la masculinité de l'homme. Vrai ou faux, la plupart des femmes ne trouvent pas certains hommes attirants jusqu'à ce que celui-ci attire l'attention d'autres femmes. Vrai ou faux, certaines femmes sont en compétition pour l'attention d'un homme pour se sentir supérieure ou pour rendre de manière intentionnelle d'autres femmes jalouses. Et dernière question, vrai ou faux, les femmes sont ouvertement en compétition. Non, certaines femmes sont ouvertement en compétition, c'est-à-dire qu'elles l'affirment. Pendant que d'autres sont dans le déni et refusent d'avouer qu'elles sont elles aussi dans le match, dans le game. Ok. Ok. Ça va aller. Ça va bien se passer. Ok. Allons. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au 09 70 40 55 20 pour participer et pour nous laisser votre avis par rapport à ça. Donc, première question. Vrai ou faux, les hommes qui sont humbles et les femmes qui ont confiance en elles forment les couples les plus solides. Qu'est-ce que vous en pensez, les internautes? Et toi, les gars? Surtout, Logan, qu'est-ce que tu en penses? Les hommes humbles avec les femmes. Qui ont confiance en elles. Bah moi je pense que les femmes qui ont trop confiance en elles par rapport aux hommes qui sont humbles, bah il peut y avoir, enfin ça risque de pas être équilibré. La femme risque de bouffer l'homme à un moment donné si elle est trop, trop calme ou trop... Si elle a trop confiance en elle peut bouffer l'homme humble qui reste visiblement calme. Qui est en retrait. Ouais, voilà. C'est vrai. Bah, je pense, après, il ne faut pas en faire une généralité, mais je pense que pour la plupart, oui. Ok. T'as déjà vu cette situation? Non, du tout, mais c'est ma façon de penser. Ok. Là. Et toi? Alors, moi, je suis passée par les deux typologies de cas. L'homme humble en retrait, avec une femme super excentrique ou qui a un super ego, ou une femme qui a super confiance en elle. C'est dans les deux cas, ça peut être très bon ou ça peut être très mauvais. Ça peut être très mauvais, ou comme Logan elle explique, dans le sens où bah, du coup il va se sentir un peu mis à l'écart, la femme ne va pas se sentir comprise. En fait, ça peut créer un fossé dans le couple, ou au cas où chacun trouve son intérêt, bah, du coup ça peut être dans l'intérêt des deux, et du coup l'équilibre s'instaure. Et bah, du coup, chacun trouve l'intérêt qu'il a besoin, bah, du coup, elle, en étant super, voilà, elle va retrouver bah, le calme dont elle a besoin. Et vice versa. En fait, c'est dans les deux cas. Il faut que chacun puisse trouver sa position et son intérêt en soi. Est-ce que vous trouvez que vous avez un ego surdimensionné, les femmes? Pas toutes. Sûr et certain. Il n'y a jamais d'absolu. Mais on va dire, en général, dans la majorité. Ouais, on a un ego quand même. Mais pas autant que les hommes. Voilà. C'est... Elle est bien placée, celle-là. Pourquoi on est toujours en compétition? On n'est pas en compétition, c'est un constat. Je ne peux pas parler au nom des autres femmes, dire que oui, nous avons un ego surdimensionné. Parce qu'aujourd'hui, une véritable femme n'est pas une femme soumise, mais une femme qui est en retrait par rapport à son homme. Donc si moi, je viens m'arrêter et dire ça, oui, on a des égos, non, on n'a pas des égos autant que les hommes. D'accord. Je ne peux pas dire ça. Ok. Mais je ne parlais pas de compétition avec l'homme, de comparatif avec l'homme. Je vais plutôt recentrer même. Est-ce que les femmes de notre époque ont un ego surdimensionné? Je pense. Non, je pense pas. Oh, merde! Je pense pas, franchement, je... C'est vrai. Pourquoi tu penses pas? Bah, un ego surdimensionné, c'est... Un ego surdimensionné, c'est-à-dire en gros, elle est trop gonflée d'elle-même, elle s'aime trop, c'est ça, elle pense qu'elle est en haut alors qu'elle n'est pas forcément en haut, et en gros, c'est ça. Ben, je pense que non, justement. Il y a des femmes qui ont confiance en elles, mais elles ont la sagesse, justement, et bien, pas forcément et bien, de le montrer aux yeux de tous. Et de rester à sa place. Et moi, je pense qu'une personne qui a un ego surdimensionné, c'est justement parce que dans la vie, en général, elle n'est pas assez reconnue par rapport à ce qu'elle fait. Donc, elle a besoin d'en faire des mille et des cents pour, voilà, comme si elle voulait se prouver quelque chose à elle-même, en fait. Alors, pour moi, une personne qui a un ego surdimensionné, quelque part, c'est qu'elle a une...
c'est qu'il y a une faiblesse en fait. Il y a une faiblesse et qu'elle n'a pas du tout, elle n'a pas forcément confiance en elle, pour moi. C'est comme quelqu'un qui est vantard, et bien quelqu'un qui se vante en général, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il a besoin de se prouver constamment qu'il est bien. Pour moi, c'est la même chose qu'une femme qui a un ego surdimensionné, parce que quand on sait les qualités que l'on a, on n'a pas besoin de les exposer à tout va, et voilà, en n'étant pas naturel, quoi, tout simplement. Et pourquoi tu pensais que tu avais un ego surdimensionné? Je ne parle pas de ma génération actuelle, hein, je parle de la génération qui est un peu plus jeune que la mienne, parce que j'ai 33 ans quand même, donc un recul assez important. Quand je vois la manière dont les jeunes filles réfléchissent aujourd'hui, quand je vois leur dynamisme, quand je vois leur façon de ne pas accepter certaines situations, d'où par où nous on est passé déjà notre génération, ou la génération de mon maman, je me dis oui, elles ont un ego un peu plus important en tout cas que la nôtre. Okay. C'est ma perception des choses. Mais cette perception-là, encore une fois, c'est peut-être pas la réalité, mais en tout cas, c'est la perception que j'ai acquise pendant mes expériences en tant que Assa. D'accord. Est-ce que cette femme avec un ego surdimensionné effraie les hommes? Effraie les hommes? En général. Je pense que intimide les hommes. Qu'est-ce que t'en penses, Logan? Je dirais qu'une femme indépendante, oui. Trop indépendante, oui. Mais une femme avec un ego surdimensionné, je pense pas. Tu penses pas qu'elle fait fuir les hommes, cette femme-là? Intimide, je ne vais pas faire fuir, intimide. Ah, c'est bon comme toi, il y a quoi? Je ne fais peur à personne. Bonjour, Maka. Donc du coup, la question c'est, est-ce que cette femme-là... Intimide les hommes? Moi, je pense que oui, Logan, tu dis non? Quand vous dites cette question-là, c'est dans le sens se mettre avec elle ou... C'est-à-dire... Reformule ta question, Yannick, s'il te plaît. Ou en général? T'as compris quoi? Qu'est-ce que tu veux me reformuler? Est-ce qu'une femme avec un ego surdimensionné intimide les hommes? C'est-à-dire, si tu es en couple, est-ce que le fait que tu aies un... Parce que pour moi, l'ego et la confiance en soi sont différents. Bien sûr. D'accord. Même l'ego, c'est au-dessus. Même si la définition que j'ai donnée... Si elle est en couple, pour moi, ça n'intimide pas du tout son homme, puisque l'homme vit avec elle de toute façon dans la vie de tous les jours, ils sont ensemble. Donc, quelque part, eh bien, cet homme-là verra sa vraie personnalité et que par rapport à son ego surdimensionné, c'est pas du tout sa vie et elle n'est pas du tout honnête aussi envers elle-même. Donc, lui, eh bien, il aura la capacité de le voir au jour le jour, en fait. Après, si c'est des hommes dehors, dans différents contextes, que ce soit au travail, ou je ne sais pas, dans un loisir qu'elle fait, par exemple le sport ou autre chose, oui, peut-être que ça peut intimider dans le sens où les hommes ils vont dire « mais waouh, elle a vraiment confiance en elle, elle gère sa vie par rapport à ce qu'elle dit, franchement, voilà, cette femme-là, elle n'a pas le temps, elle gère. » Mais si c'est son gars qui est vraiment à la maison avec elle, quoi qu'il arrive, même si elle veut contrôler son ego, à un moment donné, elle sera obligée d'enlever le voile sur la vérité et sur sa vie. Donc quoi qu'il en soit, son homme verra la véracité de ses propos en fait par rapport à ce qu'elle fait. D'accord. Tout simplement. Ok. Avec une question qui n'était pas dedans, parce qu'il y a Assa Dito Souro qui a dit ça va avec le fait que nous, les femmes, avons repris confiance en nous et sommes plus valorisées de nos jours. Mm-hmm. Est-ce que vous aviez un manque de confiance avant, les femmes? Je n'avais pas. Vous compensez de manière beaucoup plus importante que vous devriez le faire? Je n'irai pas. T'as un avis hein, sur ça, Logan? Je réfléchis. D'accord, ok, ça va se passer. Je pense qu'en fait, c'est pas qu'elles n'avaient pas forcément confiance en elles, notre maman ou notre génération ou la génération qui est avant nous. Je pense que c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il y a un certain audace qui s'est instauré, mais les gens sont de moins en moins tolérants. Peut-être que je m'exprime mal. Moins en moins tolérant, donc du coup support de moins en moins certaines situations et ça ressort à un ego surdimensionné. Voilà, je pense. Confondre, tu penses? Quand je dis confondre, c'est-à-dire que comme tu dis, on est plus sensible à la critique, c'est-à-dire qu'on l'accepte pas. Ouais, clairement. Ouais. Les gens sont de plus en plus sensibles à la critique et moins en moins dans la remise en question de soi-même. Ça, c'est ma perception des choses du part. Bah, mon travail de directrice de magasin, quand je vois des stagiaires, des fois, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Hein. Je ne suis pas en train de critiquer, encore une fois, je ne critique pas du tout. Donc, voilà. Est-ce que,
Est-ce que ce trait-là est plus exprimé chez les hommes ou chez les femmes? Chez les femmes. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Elles veulent révolutionner la nouvelle génération, je crois. Mais surtout qu'elles ont beaucoup plus de choses à se prouver par rapport eh bien, à la génération d'avant, par rapport à nos parents. Il faut savoir que déjà, au temps de nos parents, déjà la vie était beaucoup plus simple. Voilà, ne serait-ce que par rapport au travail, il n'y avait pas besoin d'avoir forcément des grands diplômes pour avoir un bon poste, pour avoir un appartement aussi, pour monter aussi en position, pour évoluer dans une société, il n'y avait pas besoin de faire énormément de choses par rapport à aujourd'hui. Donc je pense que les femmes aujourd'hui, elles ont beaucoup plus de choses à se prouver. C'est presque devenu comme un certain challenge pour elles en fait. Vous avez beaucoup plus de choses à vous prouver et tu penses que la vie était plus simple par exemple pour les femmes? Elle était plus simple parce qu'elle était beaucoup moins terrain. Et elles étaient aussi moins demandeuses, je pense aussi par rapport à celle d'aujourd'hui. À la reconnaissance de la... Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenue plus demandeuse? Plus demandeuse? C'est toi qui as dit ça. C'est moi qui as dit ça? Ouais, j'ai dit ça. Pardon, excuse-moi. Regarde. Qu'est-ce que tu veux que tu aies plus demandeuse? Je sais pas. On aspire à d'autres choses. On veut plus de choses que nos parents. C'est pas la même génération. Il y a des choses qui n'existaient pas avant qui existent aujourd'hui. C'est matériel. Enfin, ça peut être matériel. Ça peut être un certain nombre de choses aussi. Pas que matériel, mais. Financier. Voilà, financier aussi. On aime bien la dépendance. Enfin voilà, alors que je pense qu'avant l'indépendance c'était au niveau de la femme, hein, je dis bien, c'était c'était moins important. Voilà, par exemple, ma mère, j'ai toujours connu mon père, voilà, tout payé pour ma mère jusqu'à aujourd'hui. Alors que bien aujourd'hui, voilà, il y a moins d'hommes qui font des choses dans le couple. Oh, donc, les femmes sont plus elles apportent aussi leur apport aussi dans le mariage, dans le couple. Donc, Que historiquement parlant, quand vous aviez moins accès au monde du travail et qui était largement dominé par les hommes, et que maintenant, quand vous avez des diplômes, et ce n'est pas un mal que vous aviez à l'école, que vous soyez éduqué, que vous ayez des diplômes, et que vous rentrez sur le marché de l'emploi, et que maintenant, financièrement, vous pouvez être indépendant, c'est pas ça qui booste votre ego? Ça nous rend fiers. En tout cas, ego, non. Pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Ego, non. Mais. Moi, pour ma part, si, un peu ego. Mais je vais expliquer pourquoi. J'ai fait 10 ans avec le père de mes enfants. D'accord. Et c'est lui qui payait tout. D'accord. De A à Z. Remarque, j'avais pas d'expérience, j'avais connu que lui. Et il payait tout, les courses, les habits, etc. Donc, quelque part, je n'étais pas, indépendante, puisque il me faisait comprendre que c'est lui qui allait tout faire, en fait. Sauf que quand on s'est séparés, moi, je me suis retrouvée dans la merde, on va dire. Voilà. Et exactement. Et la chose est que je me suis toujours promise, en fait, de ne pas demander de l'argent à un homme, même au père des enfants, que ce soit pension alimentaire, etc. Donc, raison pour laquelle, comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était pas pour avoir des clients, c'était vraiment pour remplir mon frigo, en fait. D'accord. Mais de fil en aiguille, parce qu'avant, j'étais dans la finance, j'étais middle office. Okay. Voilà, dans une salle boursière. Et quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je l'ai fait parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de remplir mon frigo. Mais de fil en aiguille, je me suis découverte des talents, en fait. Je me suis découverte une passion pour l'entrepreneuriat et que je pouvais me gérer moi-même, habiller mes enfants, les nourrir, les aider à évoluer dans la vie sans avoir besoin d'un homme, en fait. Et si c'est cela, en fait, que tu appelles ego, ben j'ai envie de dire oui. Non, ça c'est pas l'ego, ça. Voilà, j'ai envie de dire oui. Pour moi, quand je me dis que voilà, eh bien, je ne demande rien à personne, je gère mon loyer, je gère mes courses, les habits, les loisirs des enfants, etc. Et que c'est moi, je me dis oui, c'est une satisfaction personnelle, puisque j'aurais pas eu cette expérience-là, je ne me serais pas découverte, en fait, cet talent-là, en fait. C'est pas de l'ego, le gars. T'inquiète pas pour ça. Vas-y, Annick, passe à la question suivante. Non, ouais, c'est sur ça, c'est très bien. Moi, j'aime bien cela. Comme je l'ai dit au départ, l'ego peut être neutre. C'est pas forcément mal. C'est une représentation de la manière dont tu te vois. Maintenant, le fait qu'aujourd'hui, tu aies eu à survenir à tes besoins, aux besoins de ta famille, et le fait que tu sois indépendante financièrement, est-ce que cela peut conduire au fait que, bon,
comme disent les jeunes, tu te la racontes plus maintenant. Non, parce qu'il ne faut pas aussi oublier d'où l'on vient. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient non plus. Je parle pas de la relation homme-femme. Je ne parle pas réellement de ton cercle d'amis, tu fais du bling-bling ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'avec éventuellement un potentiel homme ou d'autres hommes, tu vas être en mode, je vais dire, un trait de caractère qui est très masculin, c'était très compétition au lieu d'être restée tout aussi féminine que tu l'étais auparavant, en fait. Non, et c'est là, où j'appelle ça de l'ego surdimensionné, et qui peut être péjoratif, c'est vrai que je la raconte, mais vraiment pas dans le bullying, c'est-à-dire que, ok, tu es moins tolérante comme une femme devrait l'être, si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où ton homme peut dire des bêtises, mais parce que tu es une femme consciente que, bon, c'est un homme, voilà, c'est sa manière de faire, machin. Mais le fait que tu es dans ton indépendance et que tu es des choses, bon, ok, non, y a plus, ça marche plus, ça. Est-ce que c'est pas ça aussi? En fait, si je reformule bien ta question pour que tout le monde comprenne, tu es en train de demander à Logan, vu qu'en fait tu as eu ton expérience, est-ce que si demain tu viens te remettre avec une autre personne, est-ce que tu accepterais de mettre un peu de côté ton ego neutre que tu as acquis grâce à ton expérience? Pas neutre, je dis ce qui t'a permis, tu as bien formulé le départ, et juste la fin, ce qui t'a permis d'aujourd'hui être indépendante. Malheureusement, ça peut ne pas fonctionner quand tu veux être dans une relation de couple. Oui. L'ego dont tu as besoin pour te dire, ok, putain, c'est dur, mais je vais aller quand même, je ne vais pas me laisser abattre par la vie. Peut-être que tu l'utilises mal dans ta vie de couple. Je ne dis pas que tu es en couple, j'en sais rien du tout. Mais peut-être que tu vas mal l'utiliser parce que tu as eu maintenant cette capacité à pouvoir chasser toute seule, aller à la chasse toute seule, ramener, je dirais, ton gibier toute seule à la maison et tout ça. Maintenant qu'il y a un autre homme qui rentre dans ta vie, je serai beaucoup plus dur avec lui, c'est ça? Exactement. Et il pourra percevoir ça comme de l'ego, surdimensionné, c'est ça? Il pourra percevoir ça, mais ce serait ça, éventuellement. Est-ce qu'il pourra voir ça ou est-ce que c'est véritablement ça? Je serais peut-être plus dur, mais pour d'autres raisons, mais pas par rapport au fait que je suis devenue indépendante financièrement, etc. Et que je me gère et que. Non, peut-être pour d'autres raisons, oui, mais pour cela, non, pas du tout. Après, j'ai envie de dire, si on a envie de se mettre dans un futur ménage avec une personne qui a déjà une expérience ou qui a déjà etc. Je me mets pas en couple avec n'importe qui. Dans le sens où, quand je me mets en couple, je choisis, comme tu me dis toi-même, je fais le point sur mes propres besoins et je fais le point sur les attentes de la personne et on essaye de trouver un terrain d'entente qui puisse être intéressant pour tout le monde. D'accord? Cette personne-là, quand elle va arriver dans ma vie, elle connaîtra mon train de vie. Elle saura comment je suis organisée. Elle connaîtra mes méthodologies. Donc, si cette personne-là, elle vient à dire « Ouais, je trouve que tu as un comportement surdimensionné », j'ai envie de te dire « Chérie, bonne soirée, quoi. Rentre chez toi, rentre bien. » Mais par contre, Kaba, ce qu'elle dit... Remonte en haut, on va lire les avis des internautes. Kaba, ce qu'elle dit, elle n'a pas tort. Attends, on va tout relire. Fanta, bonsoir, bon, je pense que je dis bonjour, descend, Asajidou, elle a dit ça va. Le fait que nous les femmes, nous avons repris confiance en nous et sommes plus valorisées de nos jours, ça on avait répondu, bonjour. Oumu, Badio, elle a dit bonsoir, oui mister. Nuance, je pense qu'elle n'avait pas d'autre choix que de se soumettre. De quoi tu parles à ça? Les femmes. D'accord. Ah pour oui, par avant peut-être, ouais. Le poids de la société fait que... Ouais, c'est vrai, aussi. Oumu, elle a dit, je suis d'accord avec la dame, c'est pas vraiment de l'ego, c'est surtout connaître sa valeur. Ouais, je suis d'accord avec toi, Oumu, clairement, ce qui concerne Logan, pour moi, c'est carrément connaître sa valeur et prendre en fait ce que la vie te donne. Au bout d'un moment, faut pas se voiler la face. Sam Paul dit, en fait, les femmes ne font pas la part des choses. Si demain, nos enfants n'ont plus besoin de nous, doivent-ils nous négliger? Alors... c'est intéressant ce que tu dis. Nous sommes parents. Pourquoi je rigole? Non, c'est très intéressant la question qu'il y a. Nous sommes parents. On met tout en place pour que nos enfants aient les outils nécessaires pour pouvoir affronter la vie. Après, qu'est-ce que tu veux dire par négliger? Parce qu'un enfant qui a dormi chez moi 7 jours sur 7, 24 sur 24 heures que j'ai eu sous ma charge. Un enfant développé, donc quand j'ai développé, c'est dans le sens où il devient autonome. Est-ce que si cet enfant vient me voir que deux fois ou une fois par semaine, est-ce que ça c'est de la négligence? Parce qu'il y a un décalage quand même par rapport au rythme qui s'installe. Est-ce que c'est de la négligence? Est-ce que cette personne, même si elle ne m'appelle pas, même si elle ne vient pas me voir, elle n'a pas une très belle pensée pour moi?
Parce que concrètement, aujourd'hui, moi, c'est ce que je vis. Et ça ne veut pas dire que je ne viens pas voir ma mère tous les jours, que je ne l'appelle pas tous les jours, que ça veut dire que je la néglige. Donc attention à ça. À ça, Judou Souro, elle a dit perso, j'aime l'ego. Car ça permet d'avoir un amour propre. Beaucoup de nos sœurs se retrouvent dans des situations amoureuses compliquées car elles manquent d'ego, justement. Attention à ça, ne pas confondre l'ego et la confiance en soi. Ne pas confondre l'ego et... Si je peux rajouter de l'eau à ton moulin. L'ego surdimensionné. Je répète la définition que j'ai trouvée. Ouais, l'ego, c'est juste la représentation que tu as de toi. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est mal ou pas mal. C'est juste comment tu te vois. Après, quand tu as un ego surdimensionné, là, ça peut être compliqué. Ouais, c'est vrai, c'est très important. Donc, ne pas confondre ego et ego surdimensionné. Mais je pense qu'elle, elle veut plutôt nous faire part d'ego. Parce que c'est vrai que si tu as un certain niveau d'ego, eh ben, il y a des choses que tu ne peux pas tolérer. Il y a certaines typologies de manque de respect que tu ne peux pas accepter. Gabi a dit, une femme trop indépendante peut faire fuir un homme. Il faut trouver le juste équilibre. Bien sûr. Ça, je suis d'accord. Mais complètement. Ça me rappelle le direct qu'on a fait en rapport avec femme indépendante. Donc oui, effectivement, il faut savoir prendre du recul par rapport à ça. Sam Saint-Paul dit, c'est pas parce qu'on pourrait le faire soi-même qu'il ne faut pas croire à votre conjoint. Alors, c'est pas parce qu'on pourrait le faire soi-même qu'il ne faut pas croire à votre conjoint que vous avez besoin de lui. Car un homme est un état d'esprit spécifique. S'il ne sent pas l'importance, il le sera encore pire. Je suis complètement d'accord. Que tu sois une femme indépendante, interdépendante, une femme chic, une femme glamour, une femme riche, à partir du moment où tu as choisi un homme, tu te dois de lui offrir sa place d'homme. Sam, franchement, je suis carrément d'accord avec toi. Madi, il dit Sam s'il est chaud, mais il est chaud, mais ce qu'il dit, c'est carrément ça. Asad Judou sur l'ego fait partie de la confiance en soi. Aussi, si tu veux, on peut le percevoir comme ça. Y a rien d'autre? Non. Ok, on passe à la question suivante. Est-ce que... T'allais me dire non. Est-ce que l'ego de la femme a pour but de tester l'homme pour que chaque partenaire puisse trouver sa place dans le couple? Damn. Moi j'ai chaud là, je peux ouvrir la fenêtre. Alors recommence ta question s'il te plaît Yannick. Est-ce que l'ego de la femme a pour but de tester son partenaire, à tester son homme plutôt, pour que chacun des membres du couple puisse trouver sa place. T'as un avis sur ça, Logan, ou pas? Franchement, je suis en train de... T'as compris la question, ou pas? Oui, j'ai compris. Qu'est-ce que t'en penses? Moi... Est-ce que vous faites exprès de nous titiller, grosso modo, pour que chacun... J'ai envie de dire, c'est éventuellement comme un enfant qui va te tester sur des bêtises qu'il va faire jusqu'à ce qu'il voit les limites que tu vas lui imposer. Mais bien sûr. Mais c'est pas forcément. Fais ça volontairement. Mais c'est pas forcément avec un ego surdimensionné. Ah non, j'ai juste dit l'ego. Oh, oui, d'accord. J'ai pas dit l'ego surdimensionné, j'ai dit juste l'ego. C'est dans nos gènes. C'est vrai. Oui, enfin, faut faire des petits tests. Enfin, voilà, c'est en faisant des tests, en testant la personne, qu'on essaye de voir un petit peu. Bah, voilà comment est la personne dans différents aspects de la vie, dans différents domaines. Est-ce que vous, les femmes, quand éventuellement vous voulez entrer en couple, vous ne rentrez pas en couple avec la personne que vous imaginez qu'elle serait, avec votre idéal, au lieu de la réalité? Mais bien sûr. Après, vous retrouvez déçu quand ce n'est pas ça, en fait. Pourquoi vous faites ça? Pardon? Pourquoi vous faites ça? Non, mais là, en fait, t'as quelque chose. Est-ce que tu vas y aller comment elle se comporte? Pourquoi vous faites ça? Mais non, parce que derrière, après, vous allez... On sent le vécu! Non, parce que... Non, pas du tout. C'est plutôt la merde. Bref, après, vous allez indiquer... vous allez indiquer que, oui, les hommes sont des salauds et tout, alors que vous êtes mis avec un rêve et non avec la réalité dans laquelle vous étiez. Alors, attends. Comme on a dit, la dernière fois, on a fait schéma sur... sur ce qui se passe dans la tête pour apprécier une personne.
bien sûr que tu démarres ton histoire avec l'idéal, avec l'envie que ça marche, l'envie que la personne puisse répondre à tes attentes. Mais bien sûr, sinon dans ces cas-là, pourquoi te mettre avec cette personne-là ? S'il n'y a pas d'idéal, je ne vois pas l'intérêt. Si déjà tu démarres ta relation avec des objections en me disant ça va pas bien se passer, je vais pas y arriver, bien sûr que vous allez aller nulle part. Pour tous ceux qui suivent ton direct, ils me connaissent très bien. Non mais non. J'établis les règles dès le départ. Donc on passe avec ma réalité. Ma vie dans le monde de Yannick. Exactement. Réellement, j'établis la réalité tout de suite. C'est-à-dire que derrière, si tu t'imagines autre chose, ouais, mais... ne pas crier que oh les hommes ce sont des salauds parce que lui il était comme ceci, il était comme ça, alors que en fait tu t'es mis avec un rêve dans ta tête. Tu t'es mis avec un rêve dans ta tête, mais toi-même tu démarres un rêve déjà même au premier entretien où tu établis les règles. Pourquoi? Parce que cette personne-là, si elle a vraiment envie de toi ou elle veut vraiment toi, elle répondra à tes questions en n'étant peut-être pas sincère. Tu pousses cette personne à te mentir. Déjà, avant de se mettre avec la personne, il faut déjà analyser la personne, l'étudier. Avec le temps. Et mettre les choses en place directement sur table. Qu'est-ce que je veux? Et surtout, c'est l'homme, qu'est-ce qu'il veut de cette relation? T'as vu ma vie, comment il est, Yannick? Qu'est-ce qu'il est prêt à faire et qu'est-ce que moi, je suis prête à faire, en fait? Donc, c'est pas forcément un rêve, un idéal, mais on essaye de mettre... de poser nos idées par rapport au couple et on essaie d'avancer ensemble. Après, si la personne n'a pas été honnête par rapport à ce qu'il a dit au départ, bah après, oui, après, c'est sûr que ça va. Mais est-ce que cette personne n'a pas été honnête? C'est pas nous qui lui avons mis la pression en lui demandant tout de suite des résultats. Mais oui, Yannick, Maddy, il est d'accord avec moi. On ne peut pas. Tu pousses la personne à te mentir indirectement. Tu ne pousses pas la personne à te mentir quand cette personne a confiance en elle. Ouais, la confiance en elle. Peu importe au niveau auquel elle est. Il faut laisser le temps. Le temps. Non, justement, parce qu'il y a plein de femmes qui se retrouvent dans cette situation-là. Mmh. Et derrière, quand elles sortent de cette situation-là, elles sont détruites. Elles disent, éventuellement elles sont détruites, ou elles disent, ok, tous les hommes sont comme ceci, ils m'ont menti et tout. Non. Tu t'es mis avec une projection qui n'était pas la réalité. Qui était beaucoup trop haute, peut-être. Mais non, mais qu'est-ce que... Mais il faut se projeter dans un éventuel truc positif, Yannick. Ok. Même Maddy, il est d'accord avec moi. Attends, non. J'ai chaud là. Ouais, mais t'as mis une veste en coton. Pour ça. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce que t'en dis, Logan? On se crève tout le temps les chignons ici. Hein, donc, non, moi, je vais rien dire. Moi, je passe un bon moment. Voilà. Chignon. On lit les questions ou pas? Parce qu'il y a des avis super intéressants. Ouais. Par rapport à Sam Paul. Attention à ceux, l'ego ne redistribue pas les rôles et nos principes, notre nature. Donc en fait, en gros, ce qu'il veut dire, c'est que vous n'avez pas besoin de notre ego, nous les femmes, pour pouvoir trouver sa place dans le foyer. Non, il veut dire que malgré le fait que tu aies un ego, c'est pas pour ça que ça va changer ton rôle en tant qu'homme ou en tant que femme, en fait. D'accord. Allô, oui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est Maddy, Yannick. Vas-y, s'il te plaît, rajoute une couche derrière moi, parce que là, c'est trop, là. Maddy. Yannick, attends. C'est pas comme ça. Des BN Bazin, on a fait ta pub fortement. Ne viens pas me cacher cela. Quand même, s'il te plaît. Non, Yannick, tu vas trop fort. Tu peux pas, c'est pas possible. C'est pas comme ça, la vie. Dis-moi, explique. Ça va, ça peut marcher, mais tu peux pas, au premier abord, directement, si c'est tes conditions, si c'est tes projets, si c'est tes principes, attends, voilà, c'est pas possible. Alors, petit à petit, tu peux le faire. Alors, vas-y. Il y a Logan qui est avec nous, elle vient de dire la même chose que moi. Ah bon? C'est parce que tu n'as pas dit la même chose que moi que dès le départ, il faut impérativement, et moi je le dis impérativement, faire part de qui dès tu es. Dès le départ, au moins comme ça on sait où on va, tout simplement, on sait où on va. Après j'ai pas dit dès le départ, oui voilà, si je me mets avec Yannick aujourd'hui, je veux que dans un an on se marie et que dans deux ans on ait un bébé, c'est pas une question de ça. Mais c'est dans le sens où, oui, j'aspire au mariage. Oui, j'aspire à avoir une relation sérieuse, mais après, je ne vais pas mettre des dates, je vais pas les mettre mes attentes en ayant une attente
positif, parce c'est un idéal positif. Parce qu'avant de commencer la relation, il a déjà une épée de Damoclès sur la tête, alors qu'il faut avoir le temps de s'observer, si voir si nos qualités et nos défauts eh bien, peuvent s'assembler, si on peut s'entendre. Et ça va avec le temps, en fait. Donne-moi trois critères. Allô ? Oui, Madi. Oui, Madi. En fait, à écouter Yannick, en fait, à chaque aujourd'hui, à ce jour, Yannick, quand tu te plains aujourd'hui auprès de Yannick, il va te répondre, mais pourquoi le jour où tu t'es marié, tu ne savais pas ? Ouais, pourquoi tu n'as pas, avant de te marier, pourquoi tu n'as pas parlé de ça ? Mais c'est pas comme ça. Après, c'est différent. Ça, c'est les choses peuvent évoluer. Il n'a pas tort, parce que souvent, on montre une belle image au début. Souvent, le gars, il va, c'est vrai, il faut dire la vérité. Avant de rentrer. Bien sûr. On peut montrer une belle image au début. Hein. Mais bien sûr qu'on va montrer une belle image au début. Même nous, les femmes, on va montrer une très belle image au début parce que tu as envie de séduire, tu as envie d'attirer, tu as envie de le plaire. Et l'homme aussi, il va sortir tout son baratin de Molière pour vraiment être au beau fixe vis-à-vis de nous. L'homme sort son baratin de Molière. Mais attends, une seconde. Mais après, lorsqu'on est habitué à cette personne-là et qu'il y a la confiance qui commence à s'installer, tu remarqueras donc que la plupart des personnes qui divorcent ou qui se séparent, c'est tout simplement parce que l'un des deux a montré son vrai visage. Agneau est devenu loup. Oh, merci beaucoup, je n'ai plus rien à dire. Okay. Merci mon frère. Au revoir, Degen Bazin. Voilà, donc maintenant, la victoire de la feuille, là, avec les cases, là, où on compte, ni ou non, ni ou non. Merci, Mathieu. Voilà, j'avais besoin de ton soutien aujourd'hui sur ça. C'est pour te connaître. Tu sais que mon doigt est un peu chaud, le bouton rouge. Non, mais non, tu raccroches même pas. Mathieu, il a trop dit la vérité. T'as dit quoi, Mathieu? J'ai pas entendu. J'ai dit, raccroche, bonne soirée à vous. Merci, Mathieu. À bientôt. Merci. Je vais vous dire quelque chose, parce qu'il va falloir que vous imprimiez ça dans votre tête. D'accord. Ce que tu as dit, l'homme qui va vous, entre guillemets, draguer, vous courtiser, est programmé pour s'adapter à votre idéal. Programmé dans quel sens ? Programmé pour, parce qu'on sait que vous fantasmez sur certaines choses. Et éventuellement, ces choses-là, nous ne les avons pas à l'instant T, mais quand on sait que c'est la seule manière éventuellement de vous avoir, on va se... s'adapter. Exactement. Moi, ce que je dis, c'est que l'homme doit vous donner sa réalité immédiatement. Je ne dis pas que vous allez vous marier dès le lendemain que vous allez le rencontrer. Je n'ai pas dit ça. Mm-hmm. Et je dis que c'est à la longue. Et même, c'est quand tu vas vivre avec cette personne-là que tu vas voir son vrai visage. Mm-hmm. Au moins, dire ses objectifs dès le départ. Exactement. Bon, me dire, oui, il ne faut pas poser ses objectifs. Bon, pourquoi pas? Moi, je dis juste derrière. Bon, si tu ne fais pas ça, ce minimum-là, ne viens pas te plaindre ou ne viens pas accuser tout un groupe de dire... Non, mais Yannick, là, tu es en train de jouer sur les mots. Nous n'avons aucun qui a dit qu'il ne faut pas faire part à son prochain partenaire de ses attentes ou de ses objectifs sur du court, au long ou moyen terme. Vous ironisez en disant « poser la feuille, croix, machin, tout ». Ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler parce que derrière, quand j'entends tout le monde dire « Oh, il était comme ci, oh, il était comme ça », j'ai dit « Mais de toute façon, ça ne veut rien dire, puisque même après 10 ans, on ne connaît jamais quelqu'un. Même ma mère, elle me le dit. Ma mère, ça fait 35 ans qu'elle est mariée et elle me dit « J'aime ton papa, mais jusqu'à aujourd'hui, ton papa, je ne le connais pas. » Je dis « Mais maman, pourquoi tu me dis ça ?» Elle me dit « Parce qu'un homme est mystérieux, on ne connaît jamais quelqu'un. » Et l'être humain, en général, c'est vrai. On ne se connaît pas soi-même. On se connaît pas soi-même. Quand tu dis que, quand tu dis que « Oui, ne vous plaignez pas après, parce que voilà, tu vas découvrir que l'homme était comme ci, l'homme était comme ça. » T'es d'accord avec moi que dès le premier jour, lorsque l'on commence à se connaître, même dans les premières semaines, on va pas étaler nos défauts sur la table, sinon on va fuir. Mais bien sûr. Sinon on va fuir. On va redorer notre image, on va montrer les meilleures choses de nous pour pouvoir plaire à la personne qui est en face de nous. Définis-moi défaut. Chiante. Ok. Capricieux. Désordonné, bordélique, je sais pas moi. Donc tu es prête à me mentir sur ce côté-là pour qu'on avance. Et derrière tu vas te plaindre si en fait ça ne m'intéresse pas en fait. Parce que j'aspire à progrès. Voilà, j'aspire à m'améliorer sur cette problématique-là. Peut-être que cette personne-là aura besoin de toi justement pour changer, aura besoin de toi. Le progrès existe, Eric. Il ne faut pas oublier qu'un couple, c'est avant tout une équipe. Les choses évoluent, donc vous allez. Tes attentes d'aujourd'hui ne peuvent peut-être pas être les mêmes que dans peut-être déjà rien que le prochain. Exactement. Moi, quand je me suis mis avec le père de mes enfants, je ne voulais pas du tout d'enfants. Je voulais pas du tout d'enfant, j'avais 21, 22 ans, je voulais pas du tout d'enfant. Mmh. Et sans que, voilà, j'en ai eu 3. Donc quelque part, j'ai gagné en maturité et puis, voilà, j'ai... ont fait que, même des jumeaux sont venus, donc... Oh, yes. Non, mais voilà, je voulais pas me marier, après ça s'est fait, enfin, tu vois,
ça en change avec les années en fait. On évolue. Voilà. Je suis d'accord avec toi quand tu me dis on évolue. Et je resterai sur le fait que oui, il faut être honnête. Quand tu me dis désordonné et tout, je dis si tu dis pas ça que derrière, il ou elle le découvre, ça devient compliqué, il faut pas se plaindre. Je suis persuadé de cela. Derrière, il y a des choses peut-être. Ah mais je peux être une bordélique, mais une bordélique qui est ordonnée sur le projet de m'améliorer. Okay. Ou peut-être le fait de savoir que je vais avoir un homme à la maison peut m'entraîner. Exactement. Et me permettre de me surpasser de manière à être ordonnée. C'est exactement. N'est-ce pas un tort de compter sur votre personne pour pouvoir changer? Bien sûr qu'il faut que le changement, la volonté de changer vienne de soi-même, mais cette personne peut être elle mon peut te moteur. Booster. Elle peut te booster. Elle peut être mon élément moteur. Exactement. Il y a plein de moteurs qui ont serré. Il y a plein de moteurs qui n'arrêtent pas de serrer. Olivier, question suivante ou pas? Oh bah Dieu, je suis pas d'accord. On ne peut pas prendre une feuille et un stylo et poser toutes les conditions dès le départ. En tout cas, dès le premier rendez-vous, je pense que ça risque d'être très compliqué pour trouver l'homme ou la femme de sa vie. Ou moi, elle a dit, moi, je pense que c'est important. Comme ça, la personne en face a sait à quoi s'attendre. Ben, en plus, je vais aller un peu plus loin. J'ai pensé à ça depuis tout à l'heure. Mais admettons que tu es avec une personne qui t'attire. Yes. D'accord. Et que l'homme, il veut une relation sérieuse, mais la femme, elle veut juste un plan sexe. Et vous n'en discutez pas dès le départ. Vous avancez tranquillement. Lui, il commence à s'attacher, il commence à avoir des sentiments, alors que la femme lui dit un bonjour. Mais en fait, non, moi je voulais être avec toi, c'était juste pour avoir un plan sexe, que tout ça, mon sexe freine, etc. Ben, l'homme tombe de haut. Voilà pourquoi, oui, il faut en parler dès le départ. Oui, mais ça, c'est des grandes relations. Ça, c'est des grandes. Ça c'est des lignes droites en fait. C'est même plus quoi dire. Ça c'est des grands boulevards en fait. Tu étais à côté, c'est des... Non, c'est très bien, ton exemple il est parfait. Mais ça c'est des choses que t'es obligé de dire dès le départ. Mais là quand il y a des... Bah parce que c'est important, ça va où je m'entraîne. Là, la feuille et le stylo pour cocher. Mais non, mais là je prends pas la feuille et le stylo. J'adore comment tu l'as présenté, parce que généralement c'est présenté autrement. J'ai fait exprès de faire de l'autre côté. J'ai fait exprès. T'es mort. Non mais c'est tout ce qu'il aime. Aujourd'hui il est contre nous et toi t'es dans son camp. Pas contre moi. Non mais ça va bien se passer. Moi. Je rêve. Je suis tout seul ici aujourd'hui. Bref, on continue. Parce que comment tu l'as présenté, ça a retourné même mon cerveau. Oui, oui, oui. Quelle dame va pas être contente que c'était juste sex friend? Ok, on va voir. Au moins, elle a dit, moi je pense que c'est important, comme ça la personne en face sait à quoi s'attendre. Oui, ça on l'a dit. Et le feeling passe après. Au début, on montre une belle image. Au fur et à mesure, on va montrer le visage et son caractère. Le meilleur est toujours au début, le pire arrive après. Je suis d'accord avec Logan. Mais en vrai, Yannick dit la même chose en soi. Oumoubadjo, oui, elle sait à quoi s'attendre, mais elle veut rester avec toi. Elle te fera voir l'image que tu veux voir. Donc, elle sera pas honnête. Voilà. Tu pousses la personne à pas être honnête. Exactement. En mettant tes veilles et tes cases dès le départ. Tu crées l'hypocrisie dans ton monde. Après, ils font un juste milieu. Comme je dis, si dès le départ. Oui, voilà, je vais être avec toi, tu me plais, je suis amoureuse de toi, mais dans 5-6 mois, il faut que tu ailles voir mes parents. Même si l'homme, il avait de bonnes intentions, tu lui mets déjà une épée de Damoclès sur la tête, tu lui mets déjà la pression, donc il ne pourra pas vivre la relation sainement, sereinement. Il sera pas, il aura un point à chaque fois. Ah, il ne faut pas que je rate, il ne faut pas que je fasse d'erreur, il ne faut pas que je joue avec cette fille-là, il ne faut pas que... Donc, il ne sera pas naturel dans sa volonté de connaître... La motivation ne sera pas la même. Sera pas la même chose en fait. Vous préférez pas faire fuir cette personne-là qui en fait va jouer un rôle dès le départ, sachant que au final. Enfin, juste milieu en fait. Toutes les femmes aspirent à se marier, les hommes aussi, même s'ils ne le disent pas, à un moment donné, ils aspirent aussi à se marier, quoi qu'il en soit. Mais dès le départ, dire voilà, il faut qu'on se marie dans un an, et puis il faut qu'on ait un bébé dans 2 ans, et il faut qu'on achète un appart dans 3 ans. Tu me suis. Tu n'as même pas encore embrassé, t'es pas encore allé au resto avec lui, t'as pas passé la nuit encore avec lui. Est-ce que je suis aussi extrême quand je parle de poser les questions? À t'écouter? Ben j'ai l'impression. Alors que je n'ai dit aucun de ces exemples-là. D'accord. Est-ce que vous m'avez entendu une seule fois dire dans un an il faut qu'on soit ici, dans 3 ans. Yannick, on t'a déjà vu dans des précédents lives. Tu m'as entendu dire ça?
Rappelle-toi, dans un des lives, attends, je vais juste te remémorer la mémoire. Oui, en tout cas, dire ce qu'on ressent, dire ce que l'on veut que la personne, mais sans pour autant rentrer dans les... mettre la corde au cou, le faire fuir et voilà, vivre la relation de manière sereine et surtout lentement, sans brûler les étapes. Aller pas à pas. Après, lentement, ça dépend, hein. Pas trop lentement. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Si je te dis que tu rentres dans une. Par exemple, tu rencontres quelqu'un, physiquement c'est très bien, tu lui dis ok, moi je veux avoir des enfants, je n'ai pas de date ou de temps. Est-ce que c'est démesuré de dire cela à cette personne-là? Non. Ok. C'est dit dans une droite. C'est très bien. C'est des boulevards. Dire ok, je voudrais, dans notre carrière ou dans ma carrière professionnelle, étant donné, je voudrais me marier avec toi. Je voudrais qu'on se marie si notre relation, on voit que ça fonctionne bien. Je voudrais qu'on se marie. Est-ce que c'est extrême de dire ça? Non. Ok. C'est même très bien. Ça porte sur mes ambitions. Je suis de confession différente que toi. Je suis musulman, tu es chrétienne, tu es chrétien, je suis musulman, tu es bouddhiste, quoi que ce soit. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Est-ce que toi aussi tu l'as raconté? Est-ce que c'est extrême de parler de ça? Non. Donc, c'est pas extrême de parler de ça. Est-ce que je dis, ok, aujourd'hui. Les finances, elles sont pas elles sont pas terribles. Et franchement, je t'ai apprécié et tout. Maintenant, les finances, elles sont pas terribles. Ça veut dire que si on se met ensemble, il va falloir s'attendre que ça va être difficile là. Les ambitions, elles sont très hautes, mais bon, je suis à là. Est-ce que c'est pas quelque chose que vous préférez entendre qu'un mec qui va aller louer des voitures, il va faire quoi machin et tout derrière que. Bien non, sûr. En fait, c'est pas ça. Est-ce que c'est pas mieux? Je demande, est-ce que c'est extrême? Parce que j'ai l'impression que. Oui. C'est pour ça que quand vous me dites. Quand je dis. Faut poser les conditions. Je parle de ce genre de conditions-là. Non, et ça, j'ai jamais sorti moi ça. C'est-à-dire, dans 2 ans il faut qu'on soit ici, dans 3 ans. Je suis un entrepreneur depuis. Yannick, regarde le live qu'on a fait avec Abby, d'accord? Quand tu seras chez toi, tu regarderas le live avec Abby. Écoute, si j'ai déterminé en termes de timing ce genre de choses, je te paye un week-end où tu veux. Sérieux? Un week-end. Et vous êtes attention Yannick, on est en live là. Non, sérieusement, parce que je suis certain de moi, tu vois, je sais de quoi je parle. Ok, je très bien, c'est parfait. Bah. On continue à lire la suite. Alors, non Yannick, on a dit tu peux poser tes objectifs, mais ça ne veut pas dire que tu seras épargné. Oh, très bien. Ok, bah, alors, vas-y. On peut mettre un objectif à court, moyen, long terme. Mais on n'est pas sûr à 2000%. Ben oui, il peut te mettre un couteau dans le dos quoi qu'il arrive, comme la femme aussi. On ne connaît jamais une personne même après 10 ans. Moi je dis toujours, on ne se connaît pas soi-même. Pourquoi? Parce que des fois ça nous arrive même de nous surpasser, de surpasser nos limites qu'on pensait connaître. Après, il faut déjà trier en avance le type de personne avec qui on va s'imaginer. Mais bien sûr, ça c'est déjà faire un point sur ses propres attentes, c'est important. Oui, voilà, oh là là, j'aime, elle pense qu'elle pourra changer. Je sais pas, tu parles de quoi, vas-y. Ok, bon bah, passons. Ok, avec vous, au moins elle a dit, je suis d'accord, même 10 ans après, on n'est pas sûr, mais au moins on limite la casse. Au moins, bah, je lui ai dit oui, mais la personne ne dira jamais bye, elle fera tout si elle tient à toi. Canalisez-vous à ça, Yannick. On est canalisé. Je te jure. Ce n'est pas un contrat. Non, c'est pas un contrat. Ça se dit pas, je pense, ça se ressent. Alors, de quoi tu parles, Saint-Paul? Moi, elle a dit, oui, c'est vrai, mais au bout d'un moment, tu vas cramer si c'est un mensonge gros comme le monde. Tu comprendras, non, tu apprends à connaître la personne au fur et à mesure. Il faut bien observer la personne, bien sûr. Non, il ne l'a pas dit comme ça. Merci. Oumoubadjou dit, oui, c'est ça bien. Peut être 5 ans après, c'est ça le problème. Merci, c'est exactement ça qu'il faut faire. Ah, ça laisse-le parler. Mais bien sûr, j'ai encore un truc de truc là. Ça dépend de quel mensonge il s'agit aussi. Jamais les jolies femmes restent célibataires, sauf les mouches. Pardon, c'est la réalité. Alors, j'ai pas compris. Ouais. Jamais les jolies femmes restent. En fait, tu veux dire jamais les jolies femmes ne restent pas célibataires. Ouais. Sauf les mouches. Okay. C'est quoi les mouches? Bah, je pense qu'il veut dire les femmes pas très jolies. Pardon, mais c'est la réalité. Subjectif. Bah, excuse-moi parce que. Non, mais c'est très subjectif déjà la beauté. Exactement. Éventuellement, ce que tu définis comme beauté, j'ai envie de te dire. Oui, vas-y, question suivante. Les femmes sont très connues pour titiller l'ego des hommes, mais le font-elles de la même manière que les hommes?
Non. 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 Ok. On le fait pas pareil que les hommes, je pense. On est un peu plus perverti. Oh, mais ce sera toujours un peu plus subtil. Elle est subtile, hein. Moi j'irais pervers parfois. Mmh. Pervers. Calculateur, calculatrice, ouais. Il y a des femmes, elles vont très loin, elles sont très très, très techniques, hein, faut pas croire. Plus loin, donne-moi un exemple. Non, je peux pas imaginer ça comme ça, mais les femmes, elles sont. Quand une femme, elle a un objectif en tête et qu'elle est stratégique de nature. Même si elle est perverse, elle le fera toujours de manière subtile. Ouais, toujours. Et le mec, il l'enverra. Dans le calme, mais il va penser qu'il est là alors que. Elle est déjà à 1000 mètres, ouais. Ouais. Donc tu es d'accord, tu me rejoins. Exactement. Tu dirais que vous êtes plus manipulatrice que les hommes? Oh, tout à fait. Tout à fait, 100%. Et pourquoi on a l'impression que c'est nous à chaque fois qui vous faisons du mal? Parce que vous êtes des loups-garous, oui. Parce que Logan, elle a très bien repris l'exemple là. Parce que la femme, elle aura la malice de le faire de manière subtile. Et vous, quand vous allez le faire de manière brute. Et vous allez être cramé. Ouais. Et du coup, vous allez toujours passer pour le salaud. Mais aujourd'hui, je pense que les femmes, elles commencent à être de moins en moins aussi subtiles que ça. Parce que quand t'entends certains faits divers, quand t'entends certains... L'indifférence, elles n'ont pas honte. Elles l'assument. Elles le font sans culpabilité. Par rapport, même ne serait-ce aux anonymes que l'on peut voir sur Facebook. Je pense que tu les vois aussi. Il y en a, eh bien, elles sont même fières d'agir comme cela. Elles ont aucune once de regret par rapport aux actes qu'elles ont pu poser, en fait. Alors que l'homme, même si c'est un... Je parle de certains hommes, même s'ils sont salauds, à un moment donné, ils vont avoir quand même cette culpabilité en eux. Je parle de certains hommes. Hein. Comment la femme utilise son ego pour blesser son homme? En étant autonome. Je pense que le fait que vous soyez autonome, c'est ça qui blesse. Non, il y a des certains. Quand tu te mets en couple avec un homme, je pense, après, je sais pas, t'as un avis prononcé dessus ou pas. Mm-hmm. Quand tu te mets en couple avec un homme et que cet homme-là, vous avez décidé. On n'a pas besoin de lui. Oh. C'est ça, je pense. Non, la femme a toujours besoin de l'homme. Moi, je suis dans cette. Moi, je suis cette mais quand tu le montres exprès que t'as pas besoin de lui, que tu n'as pas besoin de sa thune, que tu ne le calcules pas. Tu peux aller acheter une voiture toute seule, tu peux ramener ta voiture au garage sans lui. Il va se sentir inutile et c'est ça en fait qui va toucher le beau de l'homme, puisque l'homme a un côté orgueilleux, il a besoin de se sentir utile vis-à-vis de sa femme en fait. Et même si on a besoin d'eux, mais le fait d'être indifférente et de ne pas le montrer, même si on a mal, on a besoin de cet homme-là, mais on ne le montre pas, ben lui il va se sentir inutile, il va se sentir inutile dans le couple quoi. Parce que l'homme, c'est un côté viril. Ma femme a besoin de moi. Ma femme a besoin de mon avis. C'est ça, en fait. Donc, tu dirais que vous faites ça de manière volontaire, en fait? Tout à fait. Tout le temps? Oh, de temps en temps, ça fait du bien. Alors, j'ai reformulé. Quand vous faites cela, mm-hmm. est-ce que c'est volontaire? La plupart du temps? Tout le temps? Ou c'est... Des fois, ça dépend des couples et des problèmes qu'il y a dans les foyers. Oui, voilà. Okay. De temps en temps, pour apporter un petit peu de piment, pour pas aussi qu'il y ait bien... Après, ça dépend à qui aussi. C'est ce que j'allais dire. Pour pas que l'homme croie que voilà, sa femme, elle est acquise, qu'il a plus besoin de faire d'efforts après 5, 6 ans. Doucement, le gagnant, en train d'enregistrer ce que tu dis. Voilà, quoi. Donc, si je veux pousser un peu plus loin... Le mettre dans un état de danger psychologique en lui faisant croire que. Mm-hmm. Parfois ça fait du bien de titiller aussi, mettre un peu de piment, enfin. Voilà. Oh. C'est intéressant. Donc ce serait. Inversement, si ton homme te faisait penser ou sentir que tu n'es pas très utile, ça mettrait du piment au. Moi, ouais. Moi, j'aime. Quoi? Ouais, mais j'ai un côté challenger aussi, donc c'est moi, ça. Moi, tu me fais ça, mais je te défonce ça. Non, mais après, le truc, c'est que... Ben, justement, la femme aussi, il faut qu'elle sente justement que tout n'est pas acquis. Parce que souvent, la femme, quand elle est mariée, elle va plus faire d'efforts, elle va plus se maquiller, elle va plus être sexy, elle va plus se faire belle, elle va plus s'occuper des enfants et de la maison, quitte à délaisser son homme, etc. Donc, je pense que l'homme aussi devrait faire cela. De temps en temps, je lui dis bien, pour que la femme aussi réalise que tout n'est pas acquis dans un mariage. Au contraire, les gens pensent que le mariage, c'est une finalité, alors que le mariage, c'est le commencement. Pourquoi ne pas faire simple, tout simplement, je pose une question vraiment typologique à ça, pourquoi ne pas faire simple? Tu te mets à 100% dans ton couple,
Le mec il se met à 100%, la meuf elle se met à 100% et on arrête de chercher une merde. Parce que c'est trop parfait, c'est pas forcément bien. Mais si, des fois c'est bien quand c'est parfait parce que l'autre il aura pour challenge de séduire tous les jours sa femme et la femme aussi et vice versa. Pourquoi toujours devoir piquer, toujours aller chercher la merde pour pouvoir créer des palabres inutiles? Pourquoi? Moi je comprends rien, faut qu'on m'explique. Pas tout le temps, mais. Pardon? Non mais pas franchement, tout le temps, mais titiller de temps en temps, une fois comme ça, jouer au chat à la souris de temps en temps, ça fait pas on mal. Peut jouer au chat à la souris et après voilà il se passe ce qui se passe. Et voilà, il n'y a pas besoin de créer la merde de titiller. Moi je suis pas d'accord avec ces... Après aujourd'hui les gens ne le font pas. Parce que moi je parle comme ça, je dis ça, mais peut-être que je suis la première fouteuse de merde. Hein. Voilà. Mais pourquoi ne pas faire simple? On se donne au max et puis on fait tout l'un pour l'autre et puis voilà, c'est terminé, on se prend pas la tête. Pourquoi les gens ils font pas ça? J'ai envie de dire que si tout est parfait dans un couple, comment tu peux connaître les défauts de la personne quand tout est parfait? Mais la perfection c'est pas tout bien, tout lisse. La perfection c'est on a une problématique, on l'affronte ensemble. Oui, mais je connais les défauts de mon partenaire, je sais prendre du recul vis-à-vis de ces défauts-là de manière à ce que notre relation soit lissée, même dans les moments où ça ne va pas. C'est ça en fait, la perfection. La perfection, c'est pas tout est beau, tout est rose, parce que sinon, dans ces cas-là, on serait encore au paradis avec Ève et Adam. Ouais, c'est clair. Donc, non, au bout d'un moment, la perfection, c'est pas la perfection. La perfection, c'est dans les problèmes. Ok. Non, faux. Une femme avec un ego démesuré n'exprimera pas facilement ses sentiments pour l'homme avec lequel elle souhaite avoir une relation. J'ai pas compris. Ça n'a rien à voir. J'ai pas compris, tu peux relire? Bien sûr. Une femme avec un ego démesuré n'exprimera pas facilement ses sentiments envers un homme avec qui elle aimerait avoir une relation. Bien sûr. T'as dit quoi, Pour moi, ça n'a rien à voir. Ah non? Pourquoi? Bah, le fait de ne pas être capable de dire ses sentiments à une personne, soit c'est une question de timidité ou de fierté, mais je pense que ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle a un ego surdimensionné en général. Pour moi, une personne... Ah, d'accord. Non, pour moi, oui, je disais que ça n'a rien à voir. Je suis pas trop d'accord pour ma part. D'accord. Ok. C'est pas moi, parce que Logan elle a pas tort dans ce qu'elle dit, il y a une part de vérité, mais aussi l'ego aussi aide pas forcément ces femmes-là à développer leurs sentiments vis-à-vis de la personne qu'elles ont en face d'elles. Elles ne le diront pas, elles le diront mais vraiment en larmes, s'il te plaît, je suis au bout de ma vie, ça fait 3 semaines, tu donnes pas de mal bébé, vas-y appelle-moi, tu me manques et tout. Elle le fait mais vraiment à la dernière limite quoi, c'est compliqué pour elle. Donc ouais, je pense que le gars aussi elle a la part de vérité. Si je ne développe pas mes sentiments, c'est peut-être de la timidité, etc., etc. Mais si je me mets en couple, mon homme devient mon partenaire. Donc je pense que la timidité elle s'évapore au fur et à mesure du temps. Après ça dépend. Il y a des femmes qui n'ont pas forcément un ego surdimensionné, mais après plus de 9-10 ans de mariage, elles n'ont jamais été capables de dire je t'aime. Voilà. C'est pas plutôt à l'inverse les hommes qui ont cette difficulté. Les hommes aussi. Mais il y a des femmes aussi. Il y a des femmes aussi qui ont des difficultés à le dire par fierté, par orgueil, par peur aussi du rejet, par peur aussi que la personne aussi ne puisse pas répondre la même chose. Quand tu dis je t'aime à un homme et puis lui il dit moi aussi, moi j'ai envie de t'étrangler quand tu me dis moi aussi. Faut qu'il y ait un échange en fait. Il y a peut-être la peur aussi qu'eh bien la balance ne soit pas forcément équilibrée. Parce que je me livre, j'ouvre mon cœur, mais la crainte peut-être que la personne en face eh bien, n'ouvre pas son cœur et ne fasse pas la même chose en fait. Donc je pense que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un ego surdimensionné ou pas, mais je pense que c'est plus une crainte tout simplement, surtout quand tu viens de connaître la personne. Voilà. Est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes combien dans vos têtes les femmes? Parce que vous êtes en contradiction permanente. Ah, putain. Moi je suis 50. Chaque jour, nouvelle coiffure, nouvelle ambition, nouveau projet. Nouvelle envie, c'est un bazar total, mais moi je ne suis pas. Est-ce que vous comprenez qu'il est difficile pour les hommes de vous comprendre? Ouais, on est conscients, je pense. C'est assez sûr. D'accord. Mais c'est tellement bien. Ok. Lis leurs histoires. Alors, qu'est-ce qu'ils disent hein? Les internautes qui nous accompagnent sur ce sujet. Alors, Sam Paul, il dit voilà ce que je disais.
Rabat. La femme est dans sa nature possessive, alors on ne peut pas dissocier l'égoïsme de sa vie. Ça n'a rien à voir. Dissocier ou dissocier, ça veut dire quoi dissocier? Ça veut dire pour lui, le côté possessif et l'égoïsme, ça va ensemble. Donc ça dissocier, c'est un « oui ». On ne parle pas d'égoïsme. Ouais, mais ça n'a rien à voir en fait. Alors Saint Paul dit et en pensant à ça, il perd sa virilité et ses charmes d'homme. Ça transforme le tigre en chat, lol, et il ne faut pas lui montrer que c'est un petit inutile en plus. Ouais. Donc ça reprend le côté viril qu'on disait homme. Ouais. Besoin de se sentir utile dans sa relation. Chacun met 50-50. Oura Touré, elle nous dit je suis d'accord avec Logan. Oumou a dit oui à ça, c'est vrai, les deux devraient se mettre à 100%. Mara Kachini, elle a dit, elle a raison, le mariage c'est le commencement. Ouais. Rabat, bien sûr, je suis complètement d'accord. Ouais. Rabat, est-ce que vous lisez Pierre Dacco, Comprendre les femmes? Non, moi j'ai pas lu ce livre-là, peut-être Yannick qui aime beaucoup la lecture. Toi, tu l'as lu, Non, je ne connais pas. Kaby, dans un couple, ce n'est jamais parfait. C'est les épreuves de la vie à surmonter. Il y a plus bas. Plus de bas que de haut? Plus de bas que de haut, mais bien sûr. C'est ce que tu disais, Yannick, la dernière fois. Il y a plus de bas que de haut. Dans un couple? Et on doit se nourrir des bons moments positifs et s'accrocher aux moments négatifs. Attends, j'ai envie d'en parler rapidement. Tu penses pas? Qu'il y a plus de bas que de haut dans un couple? Ouais. Mais je suis pas forcément d'accord. Parce que quand, d'après ce qu'elle écrit, hein, qu'il y a plus de bas que de haut, cela reviendrait à dire qu'il y a plus de tristesse, de malheur que de joie et de bonheur en fait. Non, pas ça. Il y a plus de problématiques à affronter ensemble. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle veut dire, parce qu'on l'a dit lors d'un direct avec Yannick. Alors, comme elle a marqué, il y a plus de bas que de haut. Ouais, elle n'a pas défini. Maintenant, dans sa définition, il y a plus de problématiques à affronter. De moments de joie où tout va bien. Oui, oui, oui. Est-ce que tu penses que oui. c'est Alors, Saint Paul dit le nombril, c'est l'amour. Il faut pas perdre l'objectif. Quand on est rare, on s'excuse. Quand on aime, on l'assume jusqu'au bout. J'aime trop. Saint Paul l'a dit, elle aura du mal avec un ego surdimensionné à voir. De voir son homme à moins qu'il l'impressionne ou le séduise vraiment. Donc il reprend mes propos. Kaby, elle a dit exact à sa problématique à affronter. Voilà, ouais, j'en ai été sûre. Rabat, il dit donc la femme reste toujours un mystère pour l'homme et c'est pour ça qu'on les aime. Ah ouais, vous nous aimez parce qu'on est mystérieuse. Ça va bien se passer, hein. Quels sont les effets positifs et négatifs d'une femme avec un gros ego? S'il y a des effets positifs. C'est ça que je suis en train de penser. Est-ce qu'il y a les internautes là, il y a 15 personnes qui sont avec nous pendant ce direct là. Est-ce que vous pensez qu'il y a un point positif sur le fait que la femme elle a un gros ego? Moi je vous écoute, j'ai envie de connaître votre avis sur ça, ça peut être intéressant. Est-ce que vous en pensez? Logan, t'en penses quoi? Moi non, il faut avoir une certaine humilité quand même, une certaine c'est sagesse. Important, hein. Faut avoir un geste. Enfin, un juste milieu en fait. On n'a pas dit qu'il fallait avoir un gros manque de confiance en soi, être forcément dépendante, voilà, être une assistée dans les domaines de la vie, mais avoir un ego surdimensionné, c'est être limite vantable en fait, c'est être vu de tous. Dans la relation de couple, voilà. Quels sont les dégâts, quels sont les effets négatifs que ça peut créer? Beaucoup, la liste, elle est très longue. Bah, déjà, c'est un manque de naturel, déjà. Pour moi, t'es pas naturel, déjà, quand t'as un ego surdimensionné, puisque tu ne montres pas ta vraie nature, tu ne montres pas ton vrai moi, déjà, en ayant un ego surdimensionné. Et je penserais d'ailleurs que, même en ayant un ego surdimensionné, pour moi, je pense que quelque part, eh bien, il y a un manque de confiance en soi, et c'est comme si, eh bien, c'est comme une certaine protection. D'accord. Pour moi, je pense que c'est comme une protection et vraiment cacher ce qu'elle est vraiment. Pour moi, c'est ça en fait. Tu ne penses pas que, femme comme femme, et en l'occurrence, on parle des femmes, tu puisses avoir. Parce que vous avez accompli certaines choses, ce qui est normal, et de reconnaître que vous avez accompli certaines choses qui soient éventuellement, par exemple, élever ses enfants tout seul, faire en sorte qu'ils arrivent à un certain âge, qu'ils soient bien éduqués, qu'ils mangent et tout. Parce que ouais, tu as envie de t'affirmer entre guillemets en disant ok,
voilà ce que je suis capable de faire. Et bon, je suis une femme forte, ce genre de choses. Est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que ce côté-là, c'est pour ça que j'ai dit l'ego, c'est juste la représentation de ce que tu perçois de toi. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a du positif dans cela? Pour moi, non. Parce que pour moi, l'humilité précède la gloire. Ça veut dire que même si tu as réussi, eh ben, justement, tu dois toujours avoir cette sagesse. Tu dois toujours avoir cette sagesse-là. Tu n'as pas besoin d'être excentrique, en fait. Tu n'as pas besoin d'être excentrique. Enfin, définis-moi excentrique. En fait. Définis-moi excentrique par deux exemples. Bon, j'ai pas d'exemple là à proprement parler, mais pour moi, avoir un ego surdimensionné, ça veut dire en gros j'ai réussi, les autres n'ont pas réussi. Voilà ce que je suis aujourd'hui. Toi, tu n'es c'est rien. Le détriment de l'autre. Pour moi, c'est ça en fait. Un ego surdimensionné. Se mettre en avant. Exactement, c'est toujours se mettre en avant. C'est toujours se mettre en avant. D'accord. Pour moi, c'est ça. C'est. Ok. Avant de remettre toute la faute sur l'homme. Alors attends, juste, je rebondis sur ce qu'elle dit, c'est important. Mais il ne faut pas confondre ego et confiance en soi. C'est deux choses complètement différentes. Mm-hmm. Et je pense que dans un couple, pour qu'il marche bien, mm-hmm. il faut avoir un certain niveau de confiance en soi. Oui. Mais il ne faut pas avoir d'ego devant son homme. Non, il ne faut pas être gonflé, quoi. La femme, comme ils ont dit dans l'islam, a été construite sur la côte ou dans la côte ou quelque part de l'homme. Ouais. Et donc du coup, pas pour qu'elle soit au-dessus, pas pour qu'elle soit en bas. Ça n'a pas été fait pour rien. Donc du coup, pour moi, une femme, une véritable femme, une vraie femme qui aime son homme, ne doit pas être, avoir un ego surdimensionné devant son homme. Ben, je rajouterais même Michelle Obama. Si elle aurait eu un ego surdimensionné, est-ce qu'elle se serait mise avec un étudiant? Non. Voilà. Même pourtant, pourtant, c'était une avocate reconnue. Elle avait déjà de l'argent, elle avait déjà une certaine liberté financière. Mais si elle n'aurait pas eu la sagesse de se mettre avec un étudiant, est-ce qu'aujourd'hui on aurait pu dire qu'elle s'est mise avec un président black qui est Barack Obama, le premier président black, des États-Unis, etc. Donc, si elle aurait eu cet ego surdimensionné, peut-être qu'elle serait passée à côté de sa destinée, en fait, à côté de son mariage, à côté de sa famille. Et même le couple Macron. Si la femme, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, là, et ben, elle aurait eu un ego surdimensionné, elle aurait dit non, moi je me mets hors de question avec un genou. Ouais. Donc non, Yannick, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à être... En tout cas, face à son homme, je pense que la femme... Je ne dis pas qu'il faut être en dessous, je ne dis pas qu'il faut être, qu'il faut fermer sa gueule. Des fois, il faut ouvrir sa bouche, dire quand les choses ne vont pas, dire quand les choses vont. Tu peux être... tu peux faire élever ton homme sans forcément avoir de l'ego. Voilà. Sans vouloir t'interrompre, non, tu m'as les chanteuses super connues, les Nicki Minaj, etc., elles vont toujours en faire beaucoup plus, puisque elle joue des rôles, etc. A contrario, Beyoncé, on a beau dire ce qu'elle veut par rapport à elle, qu'elle a beaucoup d'argent, qu'elle n'aide pas les peuples démunis, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'à la fin de chacun de ses concerts, elle remercie toujours Jay-Z. Parce que malgré tout, même si c'est la plus grande star au monde, elle reconnaît quand même l'importance de son mari. Que ça reste quand même un pilier dans sa vie. Que ça reste quand même un partenaire en fait dans sa vie en général. Elle va toujours mettre son mari en avant. En tout cas, moi, si j'ai un mari, je le mettrai toujours en avant. Ce sera mon mari. C'est ça qui est important. Ah ouais, ce sera mon bébé. Même si t'es ministre. Même si t'es... Ah ouais, non, c'est important d'avoir un mari. Attends. Même si t'es ministre, même si t'es présidente, comme dit ma mère, t'es présidente, mais dehors. À la maison, là, c'est ton mari le président. À la maison, c'est lui ton ministre. Est-ce que c'est ça, en fait. Ce de dire, je trouve intéressant. Reflète la réalité dans le monde dans lequel on vit par rapport à comment les femmes vont penser. C'est-à-dire que, par exemple, l'exemple de Barack Obama, je ne connais pas son histoire avec Michelle, toi, l'état avocat, elle s'est mise comme étudiante. Est-ce que beaucoup d'entre vous, la majorité d'entre vous, est prête à vous mettre avec quelqu'un qui est, on va dire, matériellement, financièrement, pas à votre niveau? Ouais, je pense. Comment? Je pense que oui. Je t'invite à regarder les anciens directs des Désiré d'Avion. Moi, en toute honnêteté, ça dépend. C'était non? Sérieux, j'ai dit non? Bah, peut-être que ma perception des choses a évolué. Oh! Moi, en toute honnêteté, ça dépend. Ok, quelques semaines. Moi, en toute honnêteté, ça dépend.
Franchement, je ne vais pas mentir. Ça dépend ce qu'il est prêt à m'apprendre. Si quelqu'un est, si la personne ne travaille pas, et moi je me lève tous les matins pour travailler, j'ai un objectif tous les matins, mais que lui ne travaille pas et qu'il n'aspire pas du tout à travailler, j'ai des enfants, donc ce n'est pas pour en avoir un quatrième, comme on dit. J'ai trois bouches à nourrir, je ne vais pas en nourrir une quatrième. Par contre, si tu n'as pas forcément d'argent, ou bien tu ne travailles pas, mais tu aspires à travailler, tu veux que je t'aide à travailler, à te trouver un travail, oui, je vais faire tes lettres de motivation, je vais faire tes CV, je vais t'aider à t'élever. Maintenant, si tu as, comment dire, tu travailles et tu as un petit salaire, je vais t'aider à avoir un autre travail, à avoir un salaire beaucoup plus important si c'est ce que tu souhaites. Mmh. Mais quelqu'un qui n'a pas de vision et puis qui est dehors, qui tient les murs, comme on dit, et puis moi je suis là, je m'en vais sous la neige, le froid, pour pouvoir travailler, pour pouvoir essayer d'agrandir ma société et tout simplement m'en sortir alors que lui... il est dans le lait au chaud, parce qu'il ne faut pas croire, nous aussi on le veut la couette le matin, alors qu'il fait froid, et que ce n'est pas le cas, non, moi personnellement je ne pourrais pas. Peut-être avant, si j'aurais pas eu d'enfant, oui peut-être, mais là aujourd'hui, non, c'est pas une question qu'on est matérialiste ou pas, mais il faut que les deux personnes aient une vision dans la vie en fait, il faut savoir pourquoi tu es né, pourquoi tu es venu au monde, pour quelle raison, quelle est ta mission sur Terre. Quelle est ta vision même de ta vie dans 5 ans, dans 10 ans, enfin, c'est important, je pense à ça. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis non, ça dépend, parce que c'est clairement ce que je dis ça dépend. Ok, cet homme-là, aujourd'hui, financièrement, il n'est pas au rendez-vous, mais il aspire à quelque chose. Est-ce qu'il y a une date limite? Il ne faut pas c'est ça dans 15 ans aussi, hein. Non, il aspire à quelque chose sur du court ou du moyen terme. Et il met les choses en place, il bouge tout le monde, il va chercher, et je peux l'aider, je peux être ce palier de complément dont il a besoin pour pouvoir acquérir cette chose-là. Mais c'est hors de question que moi, à ça, avec mon parcours, mes objectifs, mes attentes et ma vie que j'ai menée jusqu'à aujourd'hui, que je puisse prendre en charge un homme à titre gratuit qui n'est pas ambitieux et qui n'a pas d'ambition. Et puis, ambition, il va juste, next. Il va juste avoir les bons côtés du coup. Il va juste avoir les bons côtés. La nourriture dans tous les sens du terme. Pardon, la nourriture dans tous les sens du terme. Je pense que vous comprenez. Non, les moments heureux. Et encore les moments heureux. Les sorties. Bah, c'est toi qui gères tout au final. Merci. Non, voilà. C'est toi qui mets les initiatives en place. Ce qui se passe dans l'intimité aussi. Et puis le reste, tu fais quoi, mon coco? Tu fais quoi? Il y a quoi après? Pour ceux qui sont un peu familiers de l'histoire de Moïse dans la Bible, Moussa dans le Coran, vous vous souvenez comment il a rencontré sa femme? Ouais, mais Yannick, s'il te plaît, la société a changé, les consommations ont changé. Non, franchement, je préfère zapper cette conversation. Je me souviens pas. Ok. Quand Moïse, s'est enfui d'Égypte et qu'il est allé dans le désert, il a rencontré sa femme, il l'a aidé à donner à boire à ses animaux. C'était grosso modo un clochard, ou un SDF, qui n'avait rien du tout. Malgré cela, sa femme a demandé à son père d'embaucher cet homme-là et de pouvoir l'épouser. Ce qui veut dire que vous avez... Oui, elle l'a aidé. Mais elle ne savait pas c'était quoi ses ambitions, elle a vu juste un homme qui l'a aidé à faire voir ses animaux derrière. Mais il a contribué à quelque chose, Yannick. Oui, mais ils ont pas marqué les conversations non plus dans le Coran ou dans la Bible, ce qui a été dit entre eux, quoi. Voilà. Mais même moi j'arrose mes fleurs, ils ont bien aidé à arroser mes fleurs, je suis contente. Ils ont parlé quoi, enfin tu vois. T'as cru à quelque chose, t'es serviable. Quand on dit que la femme est née d'un homme, on a pris sa côte et on a fait une femme pendant que Adam il dormait. T'es d'accord avec moi que il a pas juste mis la femme comme ça et puis il a réveillé Adam? Tu crois que Dieu ne lui a pas dit plein de choses à Ève avant que Adam se réveille? Enfin, il y a une communication, il y a quelque chose, bah, c'est non, comme... Non, c'est pas interprétation, c'est pas une communication. Moi, je n'interprète pas, je prends juste comme c'était. Je dis juste, dans cet exemple-là que j'ai pris, un homme qui n'avait rien, avec une femme qui avait plein de choses, la femme ne s'est pas posé la question de l'ambition, elle a juste vu son caractère. Quand tu me parles d'ambition, tu parles que de matériel. Non, mais ça peut être ambitieux, mais serviable, c'est un mec serviable, donc il est ambitieux, il est serviable. Il est ambitieux, d'accord, il est ambitieux et il va pas taffer.
Ah mais non. Il est serviable, si, il est serviable. Il va faire à manger, il va faire la vaisselle. Donc c'est un papa à la maison, quoi. Ouais, c'est ça. Mais là on remplace. Mais même un papa à la maison, ça te chie aussi. Non, moi je pourrais pas. Le côté viril, papa. Il ramène le RSA, ouais. Non, je ne pourrais pas. Ok. Donc, pour vous, la vision de l'homme, c'est peu importe ce qu'il va ramener de l'extérieur. Quand j'y parle, parce que ramener, je parle financièrement, que ce soit plus ou moins important que vous. Il faut qu'il ait une passion, il faut qu'il y ait quelque chose qui le fasse vibrer tous les matins quand il se lève. Ça fait vibrer d'aller faire ta cuisine. Mais non, dans ces cas-là, il va être cuisinier dans un resto. Je t'ouvre un restaurant, bébé, comme ça, tu vas faire de la nuit, tu vas là-bas. Il va être chef. Et tu ramènes des chiffres d'affaires à la maison. Merci. Oui, on trouve toujours des solutions, il faut juste chercher. On en était où là? Tout là-haut, avoir un ego surdimensionné, c'est un gros défaut, effectivement. Un ego surdimensionné, je trouve que c'est pas une qualité, ça peut casser des couples, car un homme a besoin de se sentir utile dans un certain domaine, mais après, ça dépend de ce qu'on appelle un gros ego. C'est vrai. Sambi dit, tu peux pas avoir un ego surdimensionné et rester naturel. Ouais. Ça, c'est ce que Logan disait. Marakache Nikou Mabel, elle a dit, en tant que femme, je pense qu'il faut avoir un minimum d'ego. Je pense que tu parles plutôt de confiance en soi. Confiance en soi et estime en soi. Parce que, voilà. Sam Pal dit oui, mais il faut qu'elle fasse grandir sa famille et son mari avec. Cela doit être utilisé intelligemment et dans un esprit positif et optimiste. Une femme avec un bel ego et un très bon wagon. Tant qu'elle n'écrase pas ses proches. Une femme avec un bel ego et un très bon wagon. C'est quoi un wagon? C'est un très bon wagon. C'est une image pour dire qu'elle peut tirer. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là, j'ai compris. Et écrase pas ses proches, oui, bien sûr. Je pense que là, c'est une femme, ouais. Je pense pas que ça soit de l'ego, ça. Ouais. C'est un bon exemple pour Michelle Obama. Maraca Cheney, apparemment, je t'ai fait rigoler. Michelle Obama a eu l'intelligence d'utiliser son ego pour faire évoluer sa famille. Et cet ego ou amour a installé son mari à la présidence. C'est beau. Il ne faut pas avoir un homme aujourd'hui, mais il faut le voir dans 5 voire 10 ans. Ouais. Et là, elle a raison. Mais ce qui va faire que je vais pouvoir regarder cet homme-là aujourd'hui, ça va être ce qui va dégager et ses ambitions et son dynamisme et quoi d'autre encore. Et sa détermination, etc. Donc voilà, et autres. Ou moi, elle a dit, je suis d'accord avec le gars, je suis d'accord avec Assa, je suis d'accord avec vous les filles, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Mamad, il a rejoint, très bon sujet. Merci, Mamad. On a besoin de toi. Non, Mamad, on n'a pas besoin de toi, reste où tu es. Question suivante. Avant de remettre toute la faute sur l'homme, la femme ne devrait-elle pas contrôler son ego? Elle devrait mettre l'eau dans son vin, tout simplement. Bien sûr. Faire un juste milieu, comme on disait tout à l'heure. Avec ce que vous faites, la majorité du temps. Il y en a qui ne le font pas parce qu'elles n'ont pas gagné en maturité pour le faire, justement. Tout à fait. Une question de maturité. C'est une question de maturité, parce qu'elles pensent juste. Comme on dit, un fou ne sait pas qu'il est fou. Ben, c'est comme la personne. Et voilà, une personne qui a un ego surdimensionné ne sait pas forcément qu'elle a un ego surdimensionné. Donc, elle ne peut pas gagner en maturité, justement, pour changer ça et mettre de l'eau dans son vin. Mais une personne qui en a pris conscience, oui, elle peut essayer de gommer ce défaut-là en elle, tout à fait. Vrai ou faux, les hommes sont très sensibles à la parole donnée. C'est-à-dire que quand on s'engage verbalement, on a tendance à accorder une certaine valeur à notre engagement. Les hommes? Les hommes, ouais. Plus maintenant, je pense. Ok. Mais est-ce que cela ne devrait-il pas être un attribut féminin car la femme est considérée comme étant la plus communicative? Tu peux répéter ces questions. Bien sûr. Nous, les hommes, on est très sensibles quand on dit quelque chose. C'est-à-dire que vous dites quelque chose et vous l'honorez, vous le respectez, c'est exactement. Ça Exactement. Les hommes de parole. D'accord. Mais est-ce que ça ne devrait pas être un attribut féminin, puisque vous êtes considérés comme les plus communicatives? Être plus communicatif ne veut pas forcément dire être plus honnête. Hein. Un homme peut beaucoup moins parler, mais être sincère dans ses intentions et dans ses actes. Hein. Tu dirais que la femme est plus langue de pute? Non.
Je parle. Je ne fais aucun commentaire. Je me tais. Je te laisse gérer cette question de Gaël. Non, mais c'est vrai que là, je suis. Pourquoi? Parce que vous savez vraiment que vous avez des conversations entre vous et que beaucoup d'entre vous. Je ne parle pas de vous spécifiquement. D'accord? Oui. Je parle de femmes en général. Qui parlaient à tort ou à raison d'autres femmes de manière péjorative. Donc n'êtes-vous pas plus langue de pute, comme je l'ai dit, qu'on ne pourrait s'imaginer, puisque vous êtes généralement décrit comme toujours en victime. Vous êtes toujours les victimes de peu importe ce qui peut se passer avec un homme, ce sera toujours l'homme qui est à tort. Pas forcément. Moi, j'estime que quand, par exemple, un couple se sépare, ouais, ce sera jamais à cause de l'homme à 100%. Je pense que si l'homme il a fait quelque chose de mal, oui, ok. Mais je pense qu'il faudra aussi travailler sur notre caractère et aussi certains défauts peut-être qui... Enfin, voilà, j'estime qu'il y a toujours... On a toujours une part de faute quelque part, même si c'est minime. Après, sauf pour les cas graves, hein, tromperie, femme battue, etc. Là, c'est différent. D'accord. Mais s'il y a une séparation, on va dire, voilà, voulue des deux côtés, je pense que... Il y a eu, en fait, comment dirais-je... Tu penses que dans une séparation, c'est toujours 50-50? On va dire dans la très très grande majorité, on a l'impression qu'il y en a un qui veut plus que l'autre, c'est séparé. Bien sûr, sinon la séparation, elle n'aimerait pas. Donc il y a quelque part une part de volonté. Et puis quand tu parles de communication, moi je suis pas forcément d'accord quand tu dis que les femmes communiquent plus. Moi je connais énormément de femmes qui n'aiment pas du tout communiquer justement. D'accord. Et justement ces hommes-là sont frustrés justement de ne pas pouvoir dire vraiment ce qu'ils ressentent ou leurs idées, ce qu'ils ressentent, leurs sentiments, etc. à leurs femmes, puisque c'est justement ces femmes-là n'aiment pas du tout converser, n'aiment pas du tout communiquer. On n'accepte pas les reproches. Exactement. Alors, et quand tu dis que la communication c'est plus pour les femmes, non, il y a des hommes qui aiment énormément communiquer, il y a des hommes qui aiment énormément parler, échanger des idées, etc. Voilà. Moi je pense que la communication c'est pour tout le monde. Après il y en a qui n'aiment pas forcément communiquer, peut-être pour fuir ou parce qu'ils ne veulent pas extérioriser ce qu'ils ont au fond d'eux. D'accord. Et ma question c'était... Le fait que la parole a une certaine valeur pour nous, les hommes, est-ce que comme vous êtes normalement des femmes mieux communicantes que nous, est-ce que normalement, quand vous parlez, ça ne devrait pas avoir plus de valeur que cela? Bah forcément, il y a des femmes honnêtes comme des femmes malhonnêtes, en fait. Il n'y a pas d'absolu. C'est clair qu'il n'y a pas d'absolu. Il n'y a pas d'absolu, c'est-à-dire que pas les femmes, toutes les femmes sont... parlent mal ou ce genre de choses. Mais cette question est un peu complexe perso pour moi. Ah ok. C'est quoi ta question hein? Est-ce que c'est complexe pour vous? La question est-ce que comme vous normalement parlez, vous exprimez mieux que nous, ou dans le subconscient des gens, la femme s'exprime mieux que l'homme, est-ce que vous ne devrez pas être... Avoir une meilleure parole, une parole plus dans l'action. Non, est-ce que votre parole ne va pas avoir plus de valeur à vos paroles? Pas forcément. D'accord. Tout dépend de la femme que tu auras en face de toi, déjà. C'est ça. Et de deux, tout dépend de ce sur quoi elle va promettre. Si par exemple, la prostituée qui promet qu'elle va s'arrêter de se prostituer, et que bah, finalement elle a vraiment besoin de cet argent, elle peut te mentir en fait. Elle n'a pas dit dans combien de temps, tu vois. Bah, elle t'a fixé une deadline, mais elle n'a pas respecté sa deadline. Donc, elle aime son travail. C'est ça. On ne se moque pas, Yannick. Je me moque pas. Elle aime son travail, en tout cas, ça lui permet d'être ce qu'elle est. Donc voilà. Oh, ok. Non. T'as tout compris, c'est bon. On peut passer à la question suivante. Comment la relation peut-elle s'effondrer lorsque la femme exprime une certaine déception? Quand chacun ne sait pas de prendre du recul, le recul nécessaire. J'ai trois questions. Okay. Comment la relation peut-elle s'effondrer lorsque la femme exprime une certaine déception? Et si l'homme est coupable de cette situation, comment la femme peut-elle communiquer sa frustration sans déclencher une guerre des sexes? Pourquoi déjà tu veux instaurer une guerre des sexes dans deux personnes?
Parce que, et bon, quand il y a séparation... Tout le monde ramène sa famille? Non, c'est pas tout le monde ramène sa famille, c'est tout le monde dit que c'est la faute de la femme. Mais... Réellement, il faut être honnête là. On ne blâme pas plus souvent l'homme que la femme quand il y a séparation, sans même connaître le sujet, ce qui s'est passé. Ça dépend, franchement. On a pu être honnête ici. Bien sûr, on peut être honnête, mais on va être honnête de manière objective, Yannick. Attends. On ne va pas blâmer toutes les femmes, sachant qu'elles ne sont pas toutes dans la même problématique. Celle qui a été trompée par son homme, c'est normal qu'elle le quitte. Celle où son mari est parti prendre des crédits à son nom parce qu'ils étaient mariés et que la meuf elle se retrouve avec les enfants à devoir payer les crédits parce que son mari il est parti payer toutes les chambres de la France, là il y a un problème. Donc c'est normal qu'elle le quitte. Elle a toutes ses raisons de le quitter. Tout dépend des contextes. Il y a des femmes aussi, elles sont très mauvaises. Elles ont foutu la merde dans la famille des hommes et au jour d'aujourd'hui elles s'en tirent très bien. Et même ce que je suis en train de développer, ça existe aussi côté femme. Ça existe aussi côté femme. Donc ça dépend encore une fois des problématiques. Qu'elles vont mettre des crédits au nom de leur mari, ou elles vont tromper H24, avec les frères ou tonton. Ou elles vont foutre la merde dans la famille, dans la belle famille, entre les belles sœurs, les cousines, elles vont tout mélanger. C'est subjectif. D'accord. Tout dépend de la problématique. Alors, Tonya Marshall, coucou ma belle, comment tu vas? Mais il ne faut pas oublier que la femme exige beaucoup de l'homme, mais il faut aussi que la femme ait quelque chose à donner en solide, de solide. Mama Didi, c'est vrai, la femme a raison, c'est beaucoup de maturité qui pousse à l'autocritique. Il y a des hommes sensibles qui s'attachent à la parole et qui sont aussi très communicatifs. Oumou elle a dit, moi je pense que soit l'homme ou la femme, c'est propre à l'être humain. D'être ou non honnête, on est tous différents. Dans la séparation, tout dépend du contexte, car les relations diffèrent, on n'a pas tous les mêmes types de relations. Voilà, exactement repris ce que je viens de dire. La jalousie maladive de la femme provient de l'égoïsme surdimensionné lorsqu'elle sent ou découvre que son mari l'a trahi. Il y a aussi l'ego positif qui propulse son mari à devenir un homme intègre et fort. On ne dit pas que derrière tout grand homme se cache une grande femme. Je suis d'accord à moitié. Pourquoi à moitié le gars? Par rapport à l'égoïsme en fait. C'est ça qui me... Ça va pas ensemble en fait. L'égoïsme est surdimensionné, le fait d'avoir été trahi. Quand il dit que la jalousie maladive provient de l'égoïsme surdimensionné. T'es pas d'accord? Pour moi, non. Supposons que ton ami t'a trompé une fois avec la voisine. Attends, ça. Continue. Pourquoi tu t'accroches à ta barbe? En fait, Yannick, à chaque fois que je vais vous donner une technique, à chaque fois que je fais une calorie ou je dis un truc qui ne lui convient pas, il s'accroche à sa barbe. C'est limite comme une corde pour lui en fait. Il a envie de me tuer. Il tire dessus, il s'accroche, il se retient. Regarde comment j'ai chaud. Là, j'avais trop marre de ces gens avec qui je travaille. Donc du coup, j'étais en train de dire quoi? Imagine ton homme, il t'a trompé avec la voisine, il t'a trompé avec une cousine très proche de toi, et malgré ça, tu l'as gardé parce que tu l'aimes, vous avez une fondation qui est assez importante dans votre foyer, et t'as pas envie de recommencer tout à zéro avec une autre personne. Tu lui redonnes une chance une fois, deux fois, il te retrompe avec une collègue de travail, et cette collègue-là, elle vient carrément manger chez vous. D'accord? À l'intérieur de toi, on sait tous que la tromperie mène à beaucoup de pathologies, telles que le manque de confiance en soi, la jalousie maladive. Est-ce que c'est pas ça peut ne pas développer ton ego surdimensionné parce que tu te dis, attends, moi je suis sérieuse, je me suis combattue. Avant, j'ai combattu pour lui, j'ai fait ci pour lui, je tiens son foyer XYZ, je l'ai pardonné plus d'une fois. Là, cette fois-ci, il peut peut-être mettre ça dans la case de ego surdimensionné, mais tu peux en arriver à un point de ne plus accepter certaines situations venant d'un autre
même le prochain. Mais c'est pas une forme d'égoïsme. Parce que là, c'est ce qu'il a dit en fait. La jalousie maladive de la femme provient de l'égoïsme. Et pour moi, la jalousie maladive n'a rien à voir avec une forme d'égoïsme en fait. C'est cette phrase-là où je suis pas. Ah, c'est un peu. Ouais. C'est ça en fait, cette phrase-là où je suis pas du tout d'accord en fait. Après, ça dépend des cas de figure. Dans la jalousie, en bah, fait. Bah, si, parce que. Bah, égoïsme envers quoi, en fait? C'est ça qui. Égoïste parce que tu veux que pour toi. Bah, de toute façon, c'est on n'est pas. De toute façon, on n'est pas censé le partager. On n'est pas censé le partager, de toute façon. On n'est pas censé le partager. Bah, si, parce que tu as un polygame en face de toi, là. Yannick, c'est un polygame, donc il se voit avec 3, 4, 5 femmes. Et du coup, quand nous, on parle d'égoïsme surdimensionné. Non, c'est vrai. Oui, c'est un polygame. D'accord. C'est pas moi, c'est un polygame. Ok. C'est un polygame, elle est quelque part encore. Elle n'existe pas encore, mais il cherche. En fait, le mec, il est célibataire, mais il a déjà des projets de polygamie, en fait. Ça se passe bien, en fait. Vous voyez, je me tiens à la barre. Donc, en fait, ouais, pour moi, ça se rejoint pas tellement. C'est pas un facteur X vraiment réel. Mais en quelque sorte, ça peut créer une forme d'égoïsme de ne pas vouloir du tout partager, même de ne pas du tout vouloir voir ton homme discuter avec une femme en bas, même que ce soit sur la boîte aux lettres ou sur les courriers perdus. C'est ou pas une forme d'égoïsme, c'est une crainte de le perdre tout simplement. C'est une crainte de se faire prendre sa place. C'est une crainte justement et bien que cet homme-là puisse être attiré par la personne avec laquelle il parle. Après, dans la jalousie, c'est vrai qu'il y a un juste milieu. Mais je pense que c'est plus une crainte, c'est pas forcément de l'égoïsme. Pour moi, l'égoïsme, c'est le contraire de générosité, justement. Une forme d'égoïsme, c'est quand, par exemple, eh ben, on n'a pas envie de dire son secret par rapport à, je sais pas moi, par rapport à où on a acheté son manteau. Si par exemple, tu as un paquet de gâteaux, tu veux pas donner un morceau de gâteau à l'autre, ça, c'est une forme d'égoïsme. Bah, tu veux pas partager ton homme. Mais t'es pas censé partager ton homme à la base. Bah, si, apparemment, ça devient une normalité aujourd'hui de partager son mari. Ah, bon, ben là, je n'étais pas forcément. Attends, c'est la nouvelle tendance. Ok, d'accord. On doit s'adapter en fait. Donc en fait, on dit l'égoïsme. Moi, de mon point de vue sur ça, c'est la jalousie. Dans la jalousie maladive, attention, la jalousie maladive, il y a, on va dire, allez, 7% d'égoïsme quand même. 7% seulement. Après, tout dépend. Ou après, la crainte, elle peut être. Parce qu'elle est malheureuse, elle se bouffe la vie. Elle va tout fouiller. Même ses poches, même dans le trou des toilettes, sous les matelas, sa carte, elle va le suivre partout. C'est une pathologie. Hein. Oh, c'est une pathologie. C'est vraiment une maladie. Donc, elle peut très bien être généreuse dans la vie de tous les jours, mais être jalouse dans le couple. Et la personne qui en souffre le plus, ce n'est pas le mari, mais c'est elle la même. Femme jalouse. Bien sûr, parce qu'elle se bouffe, elle se fait du mal à elle-même, en fait. Mm-hmm. Mais sinon, soit, si on découvre cette personne-là, peut-être que ce n'est pas une personne égoïste, pardon. Peut-être qu'elle a une joie de vivre, qu'elle aime donner, voilà. Moi, je dis qu'il y a 7% d'égoïsme légèrement dans la jalousie maladive liée à son expérience, que ce soit la peur par crainte, ou la peur par expérience, ou la peur par protection. En tout cas, pour moi, il y a un petit peu d'égoïsme. Vrai ou faux? Bien que ce soit quelque chose de commun chez les femmes, une femme avec un big ego préfère avoir son homme partir puis plutôt que de lui demander de rester. C'est la Comme je disais tout à l'heure, elle le dira, mais à la dernière limite. Elle va vouloir jouer jusqu'à la dernière. Jouer, c'est un jeu. Ou alors elle peut vraiment avoir un ego vraiment surdimensionné et le laisser partir alors qu'elle aime. Ouais, mais ça, je. Par fierté, par orgueil, par. Ouais. Histoire de ne pas se rabaisser, de montrer à l'homme que ben voilà, elle le tient tête. Histoire de montrer à l'homme que voilà, tu es chef, mais je suis. Comment dire que voilà, c'est toi qui dois faire le premier pas et c'est pas moi qui dois faire le premier pas. Enfin, il y a une chose qui fait qu'eh bien, une femme comme celle que tu viens de décrire agit de la sorte avec voilà, son conjoint, son mari dans la situation actuelle en fait. Est-ce que c'est. Vraiment un trait féminin, comme je dirais que ce que tu viens de décrire est typiquement un trait masculin qui va préférer éventuellement laisser sa femme ou une chose qu'il apprécie ou qu'il aime partir au lieu de. Par fierté, exactement. Plutôt que de courber les chines et de. Ouais, ou en toute logique, je l'aime, elle m'aime, on a eu des soucis et tout, bref, on va laisser partir. Est-ce que c'est pas plutôt un trait. Je pensais que c'était un trait masculin et visiblement je découvre
découvre que c'est un trait aussi très féminin. Alors, où est-ce que vous l'avez développé avec toute votre Avec l'expérience, je pense. Avec l'expérience. Ouais. Parce que normalement, elle s'est fait comme ça. Ouais. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous êtes en train de développer? Non, du tout. Mais on s'adapte à la société, j'ai envie de dire. Ouais. Non, donc, est-ce que c'est mieux? On s'adapte à la société. Non, du tout, parce que quand il y avait... Ok, t'adaptes à la société, mais si la société fout la merde, est-ce que tu vas... Et voilà. Je vais me protéger de la société. C'est quoi la société? Avec... Bah, le monde qui m'entoure. Ah bon, là, mes questions. Si, c'est quoi la société? C'est le monde qui m'entoure. Est-ce que c'est mieux le fait de commencer à adopter ou d'adopter cette attitude-là? Non. Par rapport à... Tu dis, je m'adapte à la société. Mais si c'est pas bon et que tu ne le fais pas, et que tu as une fois, deux fois, trois fois la même expérience, au bout d'un moment, tu t'auto-protèges. Mais c'est en même temps, imagine, tu agis comme ça, avec la personne qui était censée être bien justement pour toi, qui était censée justement rapporter cette valeur ajoutée à ton bonheur en fait. Mm-hmm. Tu vois, c'est surtout pour ça que je dis que justement, non, eh bien, on ne doit pas le faire. Si tu as de multiples expériences et que c'est... Et que ça se termine toujours pareil, à un moment donné, il faut se poser la question. Coucou, Visage de Star. Ouais. Se poser la question, savoir si c'est pas nous le problème, justement. Parce que c'est pas normal que tous les hommes passent comme ça. Et puis aussi, arrêter de sélectionner toujours la même gamme de la même gamme. Si ça marche pas, Tu comprends ce que je veux dire? Le même type d'homme, en fait. Voilà, si tu prends toujours les bad boys, etc., beau gosse, et après tu viens te plaindre en disant « Mais oui, mais il m'a trompé, oui, il m'a fait ci, oui, il m'a fait il ça. » Il m'a chicoté. Tous les hommes sont pareils. Il a pris le courant caché. Voilà. Et après que tu dis « Voilà, tous les hommes sont pareils. » Non, tous les hommes ne sont pas pareils. C'est tes types, ton type d'homme que tu prends plusieurs fois sont pareils. Mais les autres types d'hommes à côté ne sont pas forcément pareils. Mais est-ce que la femme a réellement un ego? Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, la femme de nouvelle génération, elle a de l'ego. Mais après, pas toutes les femmes, attention. Ok. Comment la femme peut-elle encourager son homme à atteindre son plein potentiel sans le rabaisser? J'estime que si tu veux l'encourager, déjà, il n'y a aucune raison que tu le rabaisses. Faut lui donner sa place d'homme, simplement. C'est parce que quelqu'un qui veut rabaisser une personne n'a pas forcément envie de l'encourager, justement. Mais il n'y a pas des managers, des coachs dans les sports qui, justement, pour te pousser à te dépasser, vont te dire certaines phrases, certains mots qui... C'est une équipe, ils ne sont pas en couple, c'est différent. Ils ne sont pas en compétition. Ils ne sont pas en compétition, ce ne sont pas des adversaires. Et puis le coach est là pour permettre à l'athlète de dépasser ses propres capacités, en fait. Okay. Est-ce que dans la réalité, vous arrivez à faire cela, pousser votre homme sans titiller son ego? De toute façon, si tu as envie d'encourager ton homme et de le rabaisser en même temps, tu vas plus le frustrer et l'insulter dans son côté masculin qu'autre chose. Donc, il va plus se mettre en retrait qu'autre chose, en fait. Voilà pourquoi je dis que vous êtes contradictoire. Tout à l'heure, au début de notre conversation, tu disais, justement, il faut que tu fasses sortir des fois à ton homme, tu n'es pas tout acquise à lui. Pour qu'il, grosso modo, se motive à te séduire tous les jours et tout, montrer que peut-être que tu as d'autres options à l'extérieur. Mais en utilisant ces techniques-là, est-ce que, justement, tu ne joues pas avec le feu et ça ne le met pas en... Tu ne joues pas avec sa confiance en lui-même? Et c'est pas une force, une certaine forme de rabaissement. Voilà pourquoi j'ai parlé de subtilité. Il y a une manière de faire les choses. Si tu le fais de manière méchante pour que lui-même il ait des doutes par rapport à lui-même, qu'il puisse aussi avoir un manque de confiance en soi, là ça devient de la méchanceté et je dirais même que tu es limite en train de castrer ton homme. D'accord. Mais si tu le fais de manière subtile, de manière enjouée, j'ai pas forcément d'exemple pour te dire la vérité, mais pour le titiller un peu, tu vois ce que je veux dire à ça, eh bien, là, oui, mais si tu le fais de manière méchante pour le diminuer, le rabaisser, quelque part, eh bien, volontairement, tu lui fais du mal psychologiquement. J'ai une idée pour toi, Yannick, où tu peux imaginer, par exemple, un homme qui est ambitieux, il a deux stations totales.
Il hésite à en ouvrir un troisième, mais sa femme, elle encourage d'ouvrir un troisième, mais il hésite un peu. Pourquoi? Parce que bah, y a pas mal de problématiques dans le pétrole. Et ouvrir un troisième, la femme, elle est persuadée que ça peut que être bon pour leurs finances, mais l'homme hésite. Pourquoi? Parce qu'il est très prévenant, etc. Mmh. Elle va utiliser la subtilité en faisant quoi? En faisant part déjà des résultats chiffrés qu'elle peut trouver en un premier temps. En un deuxième temps, elle va jouer de sa féminité, mais elle va lui parler telle une véritable femme douce pour lui faire comprendre que bébé, moi j'ai vraiment envie que tu ouvres une troisième station d'essence. Si tu as besoin de moi pour te réduire tes charges, je suis prête à mettre mon travail de côté. Je peux le faire pendant un an, voire deux ans, parce qu'au niveau des finances, ça va, pour que tu puisses au moins réduire tes charges de cette partie-là. Mais ça peut être une manière. Ça peut être une manière. Qu'est-ce qui se passe? Je me demande dans quel monde on est. Mais elle va pas le rabaisser. De parler de manière logique, une femme parler de manière logique dans ce sens-là, j'en ai jamais vu. Ah, je suis unique, moi. Dans un film. Parce que généralement, plus vous aimez bien inverser les rôles. Oui bébé, tu devrais ouvrir une troisième station totale. Non. Généralement, c'est le contraire qui va venir se faire. C'est-à-dire que l'homme va venir te dire, ok, je pense qu'on pourrait investir dans ça ou on pourrait ouvrir un troisième. Mais l'homme, il veut le faire, mais il hésite au niveau des résultats financiers. Ouais, mais toi, du deuxième. Moi, la majorité des femmes ne sont pas ok avec ça. Bon, on va prendre un autre exemple. Bébé, j'ai envie de m'acheter une voiture. Je m'achète une voiture, oui ou non? Non, je ne vais pas t'acheter une voiture. Mais bébé, imagine tes enfants. Tous les jours, on prend le transport. Toi, c'est bébé, elle peut des. Là, c'est vraiment les enfants qui elle peut la digestion. Regarde tes enfants. Le froid, il est en train de les gifler. Là, le froid, il est en train de gifler tes enfants. Elle aurait dû plus. T'as pas pitié pour tes enfants. Oh, non, bébé, toi, si change, elle peut échanger. Elle peut pas, je suis pas d'accord. Là, c'est une manière aussi subtile de diriger son homme vers le progrès. Okay. Qu'est-ce qu'on pense, Sam Sampol là-dessus? Sam Sampol, tu dis quoi? Il dit rabaisser un homme peut être dangereux car il peut essayer de vous confronter et vous montrer qu'il est meilleur que vous-même et utiliser toutes sortes de moyens. Et du coup, là, on arrive à la compétition interfoyée. Et je dirais même que, à force de rabaisser un homme, de le diminuer, etc., étant donné qu'il a continuellement besoin justement d'être valorisé, même s'il aime beaucoup sa femme, eh bien, quelque part en le rabaissant, on l'emmène justement vers la porte de la sortie. Et quelque part, on le pousse à le tromper. C'est vrai, il y a des femmes qui disent « Oui, mais il m'a trompé parce que je suis pas bien au lit ou parce qu'il est insatisfait. » Non. Parfois, un homme va te tromper parce qu'il a besoin de se rassurer lui-même. Il a besoin de voir à côté si la femme va le valoriser comme il en a besoin, comme il le ressent. Est-ce que c'est un motif de divorce valable? De quoi? Que tu le trompes, que tu le veuilles le quitter, alors qu'il voulait juste se rassurer sexuellement ailleurs. Ah, toi, tu m'as tendu la perche. Tu m'accroches à la barbe. Bah, t'es en train de me demander si tromper, c'est un signe de divorce. C'est non, un motif de divorce. Par rapport à ce que tu viens de décrire, cette situation précise. Pour moi, non. Parce que c'est moi qui l'ai poussé à la sortie quelque part, je l'ai castré, je l'ai rabaissé. Donc quelque part, s'il s'est éloigné quelque part, c'est par rapport mais à mon agissement. Mais est-ce que dans la situation dans laquelle tu es en train de décrire là aujourd'hui, cette femme qui est dedans, qui a vraiment les yeux, le cerveau dans la situation, prend le recul nécessaire pour prendre conscience? Bah justement, si elle aurait pris le recul, elle n'aurait pas agi de la sorte. Alors justement, elle serait restée sur ses gardes et elle aurait évité les... Ou moi, elle a dit que c'est un motif de divorce. C'est pour ça que j'ai rigolé. Bah, pour moi, c'est pas un motif de divorce, mais après, si c'est pas par moi. Okay. Parce que, comme on dit, tu quittes un homme qui a fait pipi sur toi pour te mettre avec un homme qui a fait caca. Enfin, c'est un proverbe, mais. C'est encore pire, quoi. Voilà, exactement. Okay. Après, il y a tromper. Hein. S'il te trompe tous les jours, il te. Voilà. Aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui sont restées avec des hommes qui les ont trompées, hein, Yannick. Hein. Et après, ça s'est très bien passé derrière. Hein. Exactement. Bah regarde Beyoncé, une des femmes les plus riches. Oh, moi je me donne le corps de Beyoncé. Tu te fais tromper. Je suis loin. Et pourtant elle s'est fait tromper. Pourtant elle a l'argent, elle a le charme, elle a la beauté. Mais bah, je pense quand même. Elle a tout. Elle a l'argent, elle a le corps, elle a tout, elle a les enfants et pourtant elle a été trompée. Et lui il est vilain. Enfin. Ouais, mais en tout cas il a fait son bonheur. Ouais, avant et après elle a tromperie. Ouais. Donc ça veut rien dire. C'est à qui tu poses la question, Momo?
Quelle question? La dernière question. Si l'homme avait été à ta place et que tu l'avais trompé, serais-tu resté? Serait-il resté? Est-ce que l'homme serait resté? Il serait pas resté parce qu'il n'a pas notre... Non, aucun homme ne va pas rester. Il va rester. Et s'il reste, c'est juste pour... Et si... s'il reste, comment ça s'appelle? Je suis assise. Elle a arrêté avec le groupe. Tromper sa perturbe la vie. Effectivement, si cet homme-là... L'homme ne restera pas parce qu'il est orgueilleux. Exactement. Il va se sentir insulté. Si cet homme-là reste, c'est juste... comment on dit? Reculer pour mieux sauter. Il prépare un plan, en tout cas. Ah, je ne sais pas s'il prépare un plan. En tout cas, dans tous les cas, ça ne va pas aller très loin. Ouais. Ça va pas aller très loin. Voilà. Il attend de trouver mieux, en tout cas. Pourtant, il y a des hommes qui ont été trompés. Et pour autant, ils sont restés. Ouais, ben ça, c'est... Parce qu'ils avaient une vision qui était beaucoup plus lointaine que ce qui s'est passé. En général, l'homme, le vrai, qui est vraiment... Qui est sage, qui a la sagesse en lui. Enfin... Qui a une barbe. Pas de sagesse. Mais l'homme, le vrai, en tout cas, ne va jamais accepter de rester alors qu'un autre homme a connu ce que lui a connu. D'accord, ben au moins, elle te demande, ouais. Alors pourquoi dans ce cas, la femme devrait-elle rester? Ben, le truc, comme j'ai dit, c'est que nous, on a, je pense hein, que nous, si on reste, c'est parce qu'on a une force que l'homme n'a pas justement pour affronter ce problème, pour affronter et surtout pardonner ce problème-là, justement. Après, la femme, il y a plusieurs femmes à Moumou hein, qui partent dès que voilà, leur mari les trompe, hein, mais il y en a qui ont la force de rester tout simplement parce qu'elles ne veulent pas donner l'occasion à une petite qu'il a connue il y a 3-4 mois, eh bien, d'avoir tout ce qu'elle a bâti avec cet homme-là en 10-20 ans. Pour moi, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme on dit en Afrique, elle va attacher son pan. Oui, tu vas te sentir insultée, mais après, voilà, elle va attacher son pan. Elle va aller au-delà de l'insulte. Exactement. Elle va attacher son pan et puis elle va redoubler d'efforts pour mettre KO son homme dans tous les domaines et notamment dans un autre. et reprendre sa place tout simplement. Mais c'est vrai que l'homme, moi personnellement, s'il reste, j'aurais peur. Juste pour pousser sur ce sujet-là, est-ce qu'il n'y a pas une notion de ce que tu as dit, enfin, tout ce que vous avez bâti, donc c'est très matériel, et c'est-à-dire que tu commences à devenir très calculatrice. Non, ça peut être matériel, ça peut être émotionnellement aussi. Oui, c'est ça. Ça les veut enfants, dire, si tu la parles, famille, les parents, la belle famille. Tu parles le papa, les enfants ne vont plus le voir. Ça veut dire que c'est cette petite bip 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 Yannick, c'est pas que qui va voir le papa plus que mes enfants. Mais allô? Il va voir le papa, elle va voir le papa plus... Le temps en fait qu'il va consacrer à cette femme-là, ce sera un temps volé à mes enfants en fait. D'accord. Tu vois, c'est dans ce sens-là, c'est pas que le matériel, on va mourir, on va laisser tout le matériel ici. Moi je pense que Oumou Badjo a dit, moi personnellement... Ah mais il y a d'autres messages en haut qui n'ont pas été lus. Encore, non vas-y, je te laisse faire si tu veux. Non, c'est vrai. Non mais vas-y. On a tout lu là? Bah oui, t'es sûr? Ok, bon bah c'est moi. Si un homme rabaisse sa femme et que cette dernière le trompe, c'est un motif de divorce. C'est pas un motif de divorce. Parce que c'est l'homme qui aura rabaissé la femme en question et elle se sentira justement délaissée et insultée en tant que femme. Donc elle sera vulnérable, elle aura besoin de redorer son image auprès d'un homme qui va ben voilà, lui montrer que justement ce n'est pas une moins que rien, il va la valoriser, tu es belle, tu es magnifique, tu as un beau bagout, tu es intelligente, tu m'attires. Et puis voilà, quand une femme est vulnérable, l'homme malheureusement il sait comment parler. Vous êtes aussi vulnérable que ça. Ben, une femme, quand elle se sent rabaissée, elle est vulnérable. Quand elle se sent. Que tu dises qu'elle se sent insultée, ok, sans problème. Mais faire le pas d'aller coucher avec un autre homme, il y a quand même certaines étapes avant d'arriver là. Je trouve ça très. J'allais dire marrant, mais c'est pas le mot. Trop facile de ne pas assumer sa responsabilité. Oui. Tu t'es senti insulté, très bien. La femme en bleu, elle s'appelle Logan. Ok? Merci. C'est qui a dit ça d'ailleurs? Comment on fait? Attends. Tu touches à tes feuilles. Toi, tu travailles avec des feuilles, je travaille avec un Mac. Excuse-moi. Mais en fait, il va me balayer. Je dis que ça serait bien de pouvoir prendre ses responsabilités en disant: ok, tu m'as trompé, mon salaud.
Donc j'ai été voir aussi ailleurs et pas se dire ok, j'ai... juste parce que je me suis senti, je suis un manque de confiance parce que t'as été, tu m'as trompé avec un autre machin. Non, non. Là, elle a pas dit que si mon homme m'a trompé, je vais le tromper aussi. Elle a dit non, non, si. Non, je parle du cas où. Ah, là, elle parle de si l'homme rabaisse la femme. Ouais, sans problème. Ça, je l'entends. Voilà. Je l'entends et je dis qu'elle a raison. C'est okay. Senti insulté. Je peux voilà. Pas cela. Je dis juste la seconde partie. Parce que psychologiquement, toi, tu as dit, c'est quand même. Que toi, tu as dit, ok, tu peux facilement tomber sur un autre homme qui va, lui, te sortir des belles paroles. Machin. Tu sais très bien qui te sort des belles paroles. Tu ne crois pas, tu sais pas. Donc, c'était juste pour être à égalité avec ce que ton homme t'a fait, que tu as été voir l'autre. Non, là, mais tu parles de cas de figure. Parce que si ton homme te trompe, et que toi, eh bien, parce qu'il t'a trompé, tu veux aussi le tromper, là, c'est différent, ça devient un esprit de vengeance. Oui. Là, ça devient un esprit de vengeance, ça veut dire que tu as vraiment établi la guerre dans ton couple, là, en fait. Ça veut dire que là, vous êtes arrivé à, comment dire, à un point de non-retour. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi à ça, mais pour moi, c'est ça, c'est que tu es arrivé à un point de non-retour. Là, en fait, il est en train de dire, si un homme rabaisse sa femme, c'est-à-dire s'il l'humilie au quotidien, l'insulte, ne lui fait pas de compliments, rabaisse sa femme, par exemple, sur le physique, etc. Ça a un impact hein, psychologiquement. Ça veut dire que cette femme-là, lorsqu'elle se regarde devant le miroir, elle ne se voit plus comme elle était avant. C'est la violence elle psychologique. Est, voilà, c'est elle est détruite psychologiquement. Elle est détruite en fond d'elle, en fait. Donc, elle a perdu le goût de la vie. Elle est plus heureuse. Et jusqu'à, ben, elle finit même par se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait là? À quoi elle sert, en fait? Donc, elle a besoin... Quand je dis que, oui, si elle trompe, ben, pour moi, ce n'est pas un motif de divorce, dans le sens où peut-être qu'elle a besoin de se sentir revivre. Et en général, je vais juste interrompre 5 minutes, cette femme-là, elle va rencontrer un homme qui ne sera même pas à la même hauteur que son exactement. Voilà, que son pervers narcissique, parce que moi, j'appelle ça carrément un homme qui agit comme ça, c'est un pervers narcissique, bah, oui. Que son pervers narcissique. Elle va facilement tomber amoureuse de ce nouveau. Parce qu'il sera doux, compréhensif. Parce que, voilà, et il va lui apporter à l'écoute quelque chose que le pervers narcissique ne lui apporte pas. Voilà. Et c'est vrai que les gens, ils aiment faire l'amalgame en fait avec le mot tromperie. Ils pensent que automatiquement la tromperie, c'est signe de sexualité. Or que non, parfois un homme quand il trompe, c'est pas par rapport au sexe. Quand il trompe, c'est parce qu'il se sent pas écouté, se sent pas aimé par sa femme. La femme aussi, quand elle trompe, pareil, c'est parce qu'elle se sent pas valorisée par son homme, parce qu'il y a pas assez de communication ou d'entente avec son mari. Donc il y a quelque chose qu'elle n'a pas à la maison, qu'elle trouve dehors en fait, tout comme l'homme. Après, il y en a qui trompent parce que ben voilà, ils ont besoin de faire du sport, hein, comme on dit. Donc voilà, ils ont besoin de brûler des calories. Bon, ça, c'est leur souci. Ils ont qu'à aller à la salle de sport. Mais il y en a d'autres. C'est parce que on a ils ont qu'à être des polygames et puis c'est réglé. Voilà. Ok. L'autre femme t'offrira ce que l'homme voulait, ta valeur. C'est dommage de se séparer. Une tout chose c'est ça. Alors, pourquoi dans ce cas, la femme devrait rester? On a déjà vu, Moi, personnellement, je me sentirais insulté. Moi, personnellement, je pense que si... On a déjà vu, c'est ça? Non, je pense pas. Au moins, on a déjà vu. Ça, moi personnellement, non, j'ai pas vu. Ouais. Moi personnellement, moi, je pense que si un homme ne l'aurait jamais accepté, je vois pas pourquoi la femme devrait rester. C'est moi qui l'ai lu, ça. Vous êtes deux, c'est à partir de là. L'homme aussi a bâti pendant 10 ans, 15 ans ou autre. Ok. La femme en bleu, t'es bien. Ok. T'es merci, bien, coiffure Kelly. Ok, merci. Ah, ok. On est différents, ne l'oubliez pas. Un homme trompe sa femme parfois sans sentiment, pour une autre ou pour des choses puériles. Mais quand une femme trompe son mari, merci. C'est souvent plus profond. Merci. Lui, j'aime comme il parle. Merci. C'était vraiment. Ça résume ce que je voulais dire en fait. Est-ce que. C'est une question sérieuse. Hein. Est-ce que vous n'avez jamais eu des amis à vous ou. Peut-être pas des amis, des femmes, dont vous avez entendu, vous étiez là dans la conversation par hasard, vous dites qu'elles ont été voir un autre homme, mais sans pour autant que l'homme l'a trompée. Juste comme ça, elles ont été séduites par d'autres hommes, c'est tout. Ça arrive tout le temps. Après, ça s'appelle du vice, ça n'a rien à voir. Ah, ça s'appelle du vice. Après, comme j'ai dit. Tu vois, t'as adoré son discours, hein, et dès que je parle d'une femme qui se met dans le même mode qu'un homme, tu lui trouves une pathologie du vice. Oui, ça c'est parce que ça s'appelle du vice, c'est parce qu'elle avait envie de tromper. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y avait quelque chose dans son couple. Est-ce que le contraire avec un homme, ça s'appelle du vice aussi? Au moins, elle est en train de dire oui, c'est une collègue, mais elle n'est pas vicieuse.
Donc elle peut tromper sans forcément être une collègue. Pourquoi j'ai pas compris collègue? Parce qu'il y en a qui l'a demandé, est-ce que... Le cas que je viens de t'expliquer, et que toi t'as défini comme la femme étant du bis, elle a dit que non, c'est une collègue qui est comme ça, mais elle est pas vicieuse. Et je voulais juste voir elle. Voilà. Est-ce que, c'est une expérience. Est-ce que à l'inverse, l'homme aussi c'est du bis? Non, mais elle l'a dit tout à l'heure, elle a dit que l'homme... L'homme c'est du bis? Par rapport au cas que tu viens de me donner? Exactement. S'il n'y a rien, s'il n'y a aucun souci dans le couple et qu'il trompe comme ça, ben oui, il a envie, parce qu'il a envie de faire du sport, il a envie de faire du. Enfin, voilà. Non, comme tu ne l'as pas défini dès le départ, c'est pour ça que quand je l'ai dit pour la fin, tu as dit. Ah si, je l'ai dit tout à l'heure. Vice, le mot vice. Non, j'ai dit tout à l'heure qu'il y en a, ils veulent juste s'amuser comme ça, ils veulent juste. J'ai pas de souci, j'ai juste, tu l'as défini pour la femme. C'est-à-dire que tu as dit c'est une vicieuse. Et l'homme, tu n'as pas dit c'était un vicieux. Et tu as adoré directement le discours de Sam, qui lui, te disait ok. Bon, Yannick, arrête d'analyser l'enfant déjà un peu. S'il te plaît. Alors, Ogmo, elle a dit ok, c'est vraiment bien ce que vous faites, courage. Merci Kekeli. Et n'hésite pas à partager, ça peut aider plus d'une personne ce qu'on fait. On a une page YouTube, un site internet qui s'appelle Désiré devient. Supposons que la femme adhère aux idées de son partenaire, mais qu'elle ne sente pas en retour que ce dernier lui accorde la même attention. Comment peut-elle exprimer sa frustration sans être narquoise ou blessante? En instaurant la communication. Et j'ai envie de dire, de toute façon, on ne fait pas quelque chose par intérêt ou pour avoir quelque chose en retour. Si l'homme il est assez mature et il est assez reconnaissant de ce que sa femme a pu faire pour lui, logiquement, lui, ça va jouer sur sa conscience et il voudra faire de même. Après, s'il ne fait pas la même chose de lui-même, c'est tout simplement, ça s'appelle de la gratitude en fait. Je vais répéter ma question. Supposons que la femme adhère aux idées de son homme, de son partenaire, et qu'elle ne sent pas, en retour, la même attention. Ça peut être... Il peut avoir une attention en retour, mais elle ne sent pas que c'est aussi important. En instaurant la communication. Est-ce que pour moi, ce serait la gratitude? Puisqu'en fait, il va faire en retour. Peut-être pas au même niveau. Ils n'ont pas la même perception des choses. Ouais, il n'a pas le même caractère, il n'a pas la même façon de penser. Enfin, voilà, ce sont deux personnes différentes. Comment est-ce que l'exprimer quand tu dis communication? C'est-à-dire exactement? Bah, en faisant part de son ressenti. De ce qu'elle a mis en place, de comment elle a vécu la situation. Peut-être que lui croit qu'elle l'a vécu bien la situation, mais qu'en fait, elle l'a très mal vécu. En lui faisant part des choses, en lui disant voilà, bon bébé, j'ai eu du mal à faire ça, franchement c'était compliqué. Donc quand tu fais genre le mec, tu l'as vu et sans plus, moi ça me dérange parce que j'aimerais que tu sois un peu plus, que tu perçoives un peu plus tout ce que j'ai pu mettre en place pour arriver à ce résultat là. Et le résultat il est d'autant plus dans l'avantage et dans l'intérêt de tout le monde dans ce foyer. Est-ce que vous l'exprimez comme ça? Non. Ouais, c'est ça que je demande. Comment on fait pour donner des situations? Je sais pas, ça c'est pas mon problème. Et dans la réalité, vous avez ça sort comme ça sort. Non, mais tu te rends compte de ce que j'ai fait pour ton âge? Imbécile! Jamais tu peux te chier. Merde. Vrai ou faux, la femme a réellement besoin de l'homme car sa féminité est entièrement définie par la masculinité de l'homme. Totalement. On a toujours besoin des hommes, on a besoin de vous les hommes. C'est sûr. Même si on fait des fois les meufs, vas-y, j'ai pas besoin de toi, mais voilà qu'on a besoin de vous. Bah oui. On vous aime trop. Alors Sam Paul, aujourd'hui Sam il est au garde à vous avec nous. Hein. Généralement l'homme a des idées perverses, la femme a du vice, car on ne saura jamais ce qu'elle fait et elle en est convaincue. C'est vrai ça? Je sais pas. Tout dépend des femmes. Moi, je pense que les femmes, c'est des viscards. Ouais. Des vrais choux. Hein. Je suis désolée de dire ça à les filles, hein, mais franchement, je pense que quand on a un truc, la vérité, ouais, on est des grosses viscards. Okay. Merci, Sam. Ah, Sam, c'est ce que tu voulais entendre, non? Donc, sois content. Vrai ou faux, la plupart des femmes ne trouvent pas certains hommes attirants jusqu'à ce que leurs collègues femmes soient attirées par le même homme qu'elles avaient rejeté. Ça peut arriver, ouais. Jalousie. Pourquoi vous êtes comme ça? Ça peut arriver. Comme on dit, hein, on se rend compte de la valeur de la personne quand, eh bien, voilà, quand on l'a plus. Hein, c'est dingue ça. Ouais. Ça peut arriver. Vrai ou faux, certaines femmes sont en compétition pour l'attention d'un homme pour se sentir supérieure
ou pour rendre de manière intentionnelle d'autres femmes jalouses. Encore un comportement vislard. Et de gamin. Vous êtes comme ça. De tout, hein. Oh là là, tout ça. Tout ça en même temps. Ouais. Vous êtes comme ça, réellement? Pas toutes. Mais une femme mature ne rentrera jamais dans cet état d'esprit. C'est pour ça que je dis c'est gamin. Ça, c'est plutôt le comportement d'une fille. Ouais. En boîte de nuit, parce que je suis sortie avec le plus beau, il a la plus belle voiture du quartier, X, Y et Z. C'est vrai. Ouais, il y a des femmes matures qui font pas ça. Hein? Il y a des femmes matures qui font pas ça. Bah, si elles sont matures, non, je sais pas si elles sont matures. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi l'intérêt, justement? Parce que vous êtes des femmes et que ça fait partie de vous de créer des situations conflictuelle. Mais ça sent le vécu, j'ai l'impression. Non. Mais c'est le sujet là. Ça sent le vécu, t'as. Une constatation. Il n'y a rien, mais il faut que ça soit pimenté. C'est ce que vous aimez, non? D'accord. Non. Ok. Vrai ou faux? Les femmes sont ouvertement en compétition pendant que d'autres, certaines femmes, expriment ouvertement qu'elles sont en compétition. Attends. Tu peux répondre. Oui, certaines femmes. Exprime ouvertement, donc elle le dit très clairement qu'elles sont en compétition. Avec d'autres femmes? Exactement. Pour un homme? Ouais. Pendant que d'autres sont dans le déni et refusent d'avouer qu'elles font partie du game. Peut-être qu'elles ne sont pas du tout dangereuses non plus. Hein. Ça, ouais. Peut-être que ce n'est pas forcément un déni. C'est qu'elles n'ont pas le time justement d'être en compétition pour ça, justement. Je ne sais pas. Et que vu qu'elles ont un ego surdimensionné, ben, elles sont constamment en compétition et au bout d'un moment, elles l'oublient. Mm. Ça devient un déni à ce moment-là. Mm. Un déni, déni. Mm. Tu connais? Je connais pas. Ok, c'est fini. Sérieux, y a plus de questions? Non, mais tu voulais t'enfuir depuis tout à l'heure. Non. Alors, on a fait le tour apparemment du sujet. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Le Ghana va vous représenter ses produits en rentrant un peu plus dans les détails. D'accord. Et on va mettre fin à ce direct après, par la suite. D'accord. Donc c'est re-moi. Logan. Qui tu es? Logan, 32 ans, entrepreneur depuis 5 ans avec la marque Crystal Dreams. Voilà, donc vous pourrez voir sur les réseaux sociaux. J'ai ma page de coach Crystal Dreams et mes comptes pro Facebook. Il y a marqué Crystal Board et entre parenthèses, Crystal Dreams à côté. Voilà, donc je fais deux choses. Les secrets de femmes, puisque ben, j'aime énormément la femme. Et ben, voilà, qu'elle soit épanouie dans son couple, dans son mariage, avec voilà, son bien-aimé. J'aime l'écouter. Donc, comme je vous disais, les secrets de femmes, c'est sont des personnes au Mali, au Niger ou autres, voilà, qui me les font. À quoi ça sert? Comment on utilise ça? Voilà. Non, mais en grosso modo. Sylvie, écoute. Bon, ce sont des secrets de femmes qui sont naturels, il n'y a aucune contre-indication pour le corps, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Et c'est fait à base de produits 100% naturels, donc vous n'allez pas avoir de mycoses, d'infections, etc. Au contraire, vous aurez que du bien, si je peux me permettre de dire ça. Et donc, eh bien, c'est fait à base de beurre de karité, de mil, de miel, de... de plantes, etc. Ah, mais tout le monde sait pas, hein. Il faut développer le sujet, hein. Et voilà, d'ailleurs, je vais te dire que dans mes gammes de fertilité, dans mes secrets de femmes, il y a même des gammes pour les femmes qui ont du mal à concevoir, etc. Mais bon, voilà, j'aurais tendance à vous dire en MP si ça intéresse. Et en gros, eh bien, voilà, les secrets de femmes, c'est pour casser la routine, hein. C'est comme une huile de massage ou comme des pétales de rose, etc. Sauf que, bah, ça va, voilà, rajouter quelque chose, eh bien, dans votre couple pour casser la routine, voilà. Mais il faudra pas compter sur ça à 100%, hein, mais, voilà, ça peut créer quelque chose bah, de doux, quoi, dans... La douceur. Voilà, dans l'intimité, et puis, ben... Testez, vous verrez. Voilà, et après, ben, les cures minceurs, figure active, ça fait 2 ans que je suis dans LR, la société Elsel Beauty, une société allemande qui existe depuis 32 ans, et il y a 1600 produits référencés, ce sont des produits...
voilà, qui ont été testés en laboratoire Dermatest, qui n'ont pas été testés sur des animaux. Et bah voilà, il y a des parfums, du maquillage, mais moi principalement je vends que les cures minceur et prise de poids pour les hommes et femmes. Je me suis sélectionnée dans cette gamme de produits, voilà. Et si je peux rajouter, LR, eh bien, c'est un marketing de réseau voilà, qui a été reconnu par la Fédération de Vente Directe et le Pôle Emploi. Ce n'est pas une société pyramidale puisque c'est interdit par la loi. Donc, pour les personnes qui souhaitent avoir un complément de revenus à temps plein ou à temps partiel de ses choix, tout en profitant de sa famille, de ses enfants, de son mari, eh bien, contactez-moi et puis bah, ce sera avec joie que vous intégrerez mon équipe. Voilà, donc c'est Logan de Crystal Dream. Merci de m'avoir invité, ça a été un plaisir de te connaître et de te voir. Et, je t'appelle Harry Rosenberg, ça va bien se passer. Voilà, et bah, merci Yannick aussi, j'ai passé un bon moment avec toi. Sérieux? C'était trop court. Sérieux? Ouais. Okay. Au début j'étais stressée, mais j'ai kiffé. T'as vu, hein, ça passe. Hein. Alors, un conseil des filles. Au jour d'aujourd'hui, comme je dis, je vous redirai toujours, on a toujours besoin des hommes. L'ego surdimensionné, on n'en a pas besoin dans un couple. Mettez-le vraiment de côté et je vous promets que même si c'est pas parfait, vous arriverez en tout cas à affronter plus d'une problématique. Faut reconnaître son ego surdimensionné. Comme ça, ça va vous aider à le balayer et à l'enlever en fait de vos habitudes. C'est aussi connaître le lâcher prise. C'est aussi connaître tout à fait le lâcher prise, ouais. Pour être plus heureux. Mmh. D'accord ? Donc, conseil du soir. N'hésitez pas à consulter ma page YouTube. Vous pouvez regarder mes vidéos. Donc, celle-ci, la précédente, la précédente, la précédente. Aussi, vous pouvez accéder à tout ça sur ma page Facebook. Ma psy est une perle rare. Désiré devient mon site internet. Vous allez avoir tous les relookings qui ont déjà été faits. Vous aurez accès à tous les renseignements qu'il faut. Prise de rendez-vous possible aussi sur le site internet. Et vous pouvez aussi accéder à tous mes lives, à toutes les vidéos qui sont en ligne pour vous aider à mieux vivre, votre vie. Désirédevient.com. On va remercier Yannick. Qui grâce à qui, je tiens à le dire, hein, qui grâce à qui, ça se dit ça ou pas? Et grâce à qui aujourd'hui, en tout cas, vous avez tout ça? Parce qu'au début, franchement, je vous dis la vérité, je n'osais pas du tout le mettre en place où j'avais pas les outils nécessaires ou je vais pas dire la motivation nécessaire, mais en tout cas la capacité nécessaire pour le mettre en place. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on arrive à vous proposer chaque dimanche des sujets, qu'on arrive à mettre des choses en place pour vous. Et il y a encore plein de surprises sur lesquelles on est en train de travailler. Donc n'hésitez pas. À ça, votre petit collègue coach, conseiller en image et votre rôle. Juste pour terminer, si vous voulez, comme Logan, participer au direct chaque dimanche, n'hésitez pas à contacter Assa via sa page perso, sa page pro, je ne sais pas où vous allez voir, ou même via YouTube. Et ça sera avec un grand plaisir qu'elle vous recevra chez elle. À la fin, à chaque fois, tous ceux qui sont venus, il y a à manger et à boire. Arrête, déjà, il faut bien manger et boire. C'est vraiment très cool. Si vous avez besoin, parce que vous êtes un entrepreneur ou vous avez une petite moyenne société, vous avez besoin de vous faire connaître. Exactement, vous avez besoin de stratégie pour développer votre chiffre d'affaires, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet impulsionpro.co. Je mettrai le lien de toute façon sur la vidéo qui apparaîtra. Et aussi pour ceux qui connaissent des jeunes qui font du sport et qui veulent éventuellement aller faire un sport-études dans une université américaine, n'hésitez pas à leur parler de la westtv.com. C'est le seul site en France qui vous permet de pouvoir être recruté avec une bourse en sport-études dans une fac américaine. Donc voilà. En tout cas, merci à vous tous de participer avec nous chaque dimanche, d'interagir et de partager. Vous êtes des amours, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, en tout cas, on s'accroche, on tient. Et merci, à très bientôt, à dimanche prochain pour un nouveau sujet à votre disposition. Ciao. Au revoir.